The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. On va souffrir. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Oh, les frissons! Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Oh, quel kiff! Yes, indeed. The ouais, bah, elle est d'accord avec moi. Brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away. To await the end of the world. Il est de retour. Fabio est de retour. This is your fate. Bon, par contre, il est... Il a pris un sacré coup de vieux, hein. Ouais.
Fabio après le vaccin. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Enfin, putain, quel plaisir de vous retrouver sur Dark Souls depuis le temps que je voulais le faire en live. Ah, ça me fait quelque chose. Un de mes jeux préférés. C'est ma deuxième run. Ma première étant celle du test en carton. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Merci pour le sub à Redless Smasher. Cadeau anonyme. Merci Frosties pour le deuxième mois. Et pour le deuxième mois également V-Craft. Alors pour expliquer la petite histoire, Dark Souls, je l'ai fini. Je l'ai déjà fini. Et c'est l'un des trois meilleurs jeux de la décennie qui vient de passer pour moi. Voilà. Mais je voulais le refaire parce que l'une de mes plus grandes frustrations, ça a toujours été de finir Dark Souls sans avoir le temps de faire les DLC. Donc là, on va le finir avec les DLC. On va en chier. Je vous cache pas que je suis aussi heureux qu'inquiet. Parce que là, reviennent en moi, reviennent en ma mémoire des boss qui m'ont fait très mal à l'anus. Les gargouilles, pour ne pas les citer. Et surtout, Ornstein et Smaug. Comment on joue ? Les deux autres jeux de la décennie, étant bah, Skyrim et Breath of the Wild, voyons. Allons bon. Oh putain, les gars. On peut pas sauter. J'avais oublié. On peut pas sauter. Oh, va falloir que je me dépêtre des habitudes que j'ai prises sur Elden Ring. Merci pour le Prime, Xenon. Voilà, attendez, laissez-moi me refaire au... Ouais, ça c'est coup puissant. Ça c'est quoi, ça? C'est le shield? Ok, on verra. Pour courir, c'est rond. La roulade. Deux fois rond. Pour sauter, c'est quoi? C'est en courant, je crois. Ah, c'est en courant, c'est deux fois rond. Et je saute. Okay. Ah, quel kiff de retourner sur Dark Souls, putain. Quel kiff. On va en chier. Alors, j'ai pris Bandit. Voilà. Lors de ma première run, j'avais joué Dex et Force. Là, je veux jouer... Tu sais, j'avais joué avec des épées. Là, je veux jouer avec une bonne grosse épée, sa mère. Voilà, je veux jouer la Claymore, je veux jouer l'épée de Guts. On va jouer comme des Tchad. Grosse épée, là. Et du coup, on fera les DLC. Parce que voilà, je n'avais pas pu les faire la dernière fois. J'avais fait le boss final avant de les faire. Et j'ignorais qu'il fallait à tout prix faire les DLC avant de faire le boss final. J'ignorais. Fabio en mode bandit, ouais. Ouais, ça lui va pas trop. Hein. Bon, Fabio a pris cher. Il a pris cher. Il a pris un peu cher, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Laissez-lui le temps. Ça va... Ne jugez pas, d'accord ? Ah putain, c'est vraiment un kiff de retourner sur ce jeu. Ah, et c'est vrai que là tu perds ton endurance quand tu cours, même si t'es pas en combat. Contrairement à Elden Ring, effectivement, j'avais oublié. Ah, ouverture impossible, d'accord. Ah oui, alors là, va y voir le méchant pas beau. Même pas je regarde, je respecte pas, même pas je regarde, je m'en bats les couilles. Allez, ça dégage. Ça commence, le karma arrive. Je vois que je suis pas le seul à avoir souffert de la chaleur. Ah, arrêtez de le juger, il fait ce qu'il peut. Alors là, il y a un mec avec un arc, ouais. Non, j'étais... Oh putain, ça commence très bien. Premier ennemi, première flèche en plein dans la gueule. Oh, ça augure du bon, ça. Oh putain, ça augure du bon. Alors, refaisons-nous au pattern. Roulade. Ouais, ok, ça marche. Allez. Le bouclier araignée, très bien. Première fois que je joue Mandy, hein. Attends, comment on fait? C'est là le shield, ouais. Ok, alors comment s'en sert du shield? Ça, c'est le coup. Ok, donc L1, c'est pour juste... le tenir.
Et ça, c'est pour contrer. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Est-ce qu'il y a moyen de voir... Non, je peux pas avoir une description. Donc il a 100 en réduction de dégâts physiques, ça c'est bien ça, ok. On va s'en servir. C'est très très bien, ça c'est mon arme je suppose. La hache de guerre. Ça ça dégage, alors voyons voir. Attends, ça c'est le mid-roll ça? Oh putain c'est lent. Oh c'est lent. Oh putain. J'entends un arc. Ah petit. Petit salopio. Faudrait que je t'avais pas vu hein. Petit coquin. Merci pour le troisième mois Audimac. Le temps passe vite. Et oui, on est à un peu plus d'un an depuis le test en carton sur Dark Souls. Moi j'y pensais. Ça m'a mis dans tous mes états. Alors. Oh c'est lent. Oh c'est lent. C'est considéré comme une arme... comme une greatsword. Je crois, hein. Ça va niveau son? Est-ce qu'on entend le jeu et ma voix par rapport au jeu? Je pense que oui. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de musique dans ce jeu, tu me diras. Et je me demande si c'est considéré comme une greatsword. Parce qu'elle est vraiment lourde. Où est-ce qu'il est? Il est où le coquin, là? Ah, t'es là. Le timing! Oh là 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 là, allez! Oh là 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 là! Allez, je vais me permettre un petit. Voilà, on a tué le premier mob, c'est très cool. Ah, vous voulez une petite zig pendant la run? On peut faire ça, les gars. Hein. Petite zig pendant la run. Allez, c'est parti. Merde, je sais plus comment on l'a ce truc. C'est depuis le haut, je pense. Ok, on a le bouclier de Spider-Man. Ah là, il y a un piège. Et en parlant de traquenard, Passepartout, il y a une telle synergie entre Passepartout et moi, vous voyez. En parlant de traquenard, je m'en rappelle de ça. Allez, viens. Allez. Petit coquin. C'est moi ou c'est très sombre? Ah non, alors vous, sur le retour, normalement, vous voyez mieux que moi, mais... C'est sombre, mon gars. Oh, c'est un bordel. Oh, you. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. Oh, cette ambiance, ces voix, putain! Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Qu'est-ce qu'il m'a demandé, ce con? Regrettably, I have failed. Ah oui, c'est d'écouter. But perhaps je vais regarder le chat. The torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. Est-ce que je peux t'y bag? Excuse-moi mec, hein, je t'aime bien mais... Il y a plus important. Merci pour la fiole frère. Merci pour la clé. Alors est-ce qu'on peut t'y bag? Je peux pas m'accroupir hein. Ouais, on peut pas t'y bag. Chier, quel dommage. Oh merde. Merde, j'ai plus de fiole. Nice. Je bug. Ah, j'ai glissé. Ah, il y a du ping. Je bug, j'ai glissé. Ah, c'est bon, c'est ma deuxième run, je fais ce que je veux. Je m'en bats les couilles. De toute façon, il allait mourir.
mais c'est super sombre. Oh. C'est ouvert? Ah, yes, c'est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Manier arme droite à deux mains. Très bien. Frapper, attaque plongeante. L plus R2. Ouais. Et si je fais juste L2? C'est la même merde. Ah, bonjour messieurs. Attention, il y a une flèche. On esquive. On saute. Putain, je voulais... Vous l'avez vu, je l'ai dit, hein. Je voulais qu'on saute, hein. Oh, monsieur l'arbitre. Calme-toi, calme-toi. Ça va bien se passer. Putain, j'ai vraiment l'impression qu'on est lent, mec. Sortir d'Elden Ring, c'est compliqué. Hein. Ah, et oui, on peut défoncer le boss. Effectivement, on peut le défoncer d'en haut. Ici, je crois. Derrière un ennemi, coup critique. Oh putain. Oh putain. Parade, repousser une attaque ennemie après une parade riposte. Ok. Viens te battre. J'aimerais bien tester en vrai. On va tester une parade, tiens. Nice. Oula. Tu fais de sacrés dégâts, mon cochon. Ok, bien joué. Ok. C'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave, Fabio. On s'entraîne à la parade. Ah, ça marche pas. C'est humain, c'est humain. Allez, on va retenter. Re-soigne-toi, on va retenter. Bien joué! Voilà, c'est ça qu'on aime. Et on est bon pour retourner se soigner. Bien joué, mec. C'est verrouillé. Très bien. Très bien. Je vais recharger mes fioles d'estus, on va pas faire les cons. Ce serait dommage de mourir au premier boss, je vous l'avoue. C'est ce qui risque d'arriver. Tu peux me lâcher? Tu peux me lâcher? Au secours. Je vais recharger mes fioles. Là on est parti pour beaucoup d'heures de jeu. Et beaucoup de souffrance. C'est moi qui vous le dis. Allez. Ah oui, alors j'ai pas précisé, effectivement pas de backseat dans le titre, mais je me suis dit les gens vont voir que c'est ma deuxième run, ils vont s'en battre les couilles. Ah putain, ça j'avais oublié ça. Viens te battre. Nul. Meurs. Je pouvais pas monter de niveau, on est d'accord, hein. Viens te battre. Bon allez, testons. Allez. Le premier boss. Meurs. On esquive. Bien joué, mec. Ok, bien joué. Ok, bien joué. Allô? Caméra 2? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Voilà, merci d'être passé. En tout cas, c'était une très bonne caméra, merci beaucoup. Allez, je me casse. C'est un beau spectacle que je vous ai montré là. Ah bah de toute façon on peut pas monter de niveau Ok. Voilà, c'est le premier boss. On a esquivé deux coups et après on a fait du caca. C'est pas grave. Alors là je crois qu'il y a des trucs cachés là. Si je ne m'abuse. Voyons voir. Je crois qu'il y a un nid avec des œufs, ouais. Il me semble qu'il y a un nid qui sera utile pour plus tard.
Ouais, ça là. Il y a pas des trucs à acheter ici, je sais plus, j'ai un souvenir avec ce nid. Étrange. Comment t'as fait pour le péter si vite? Ah, tu vois, Shanti, je t'avais dit que je ferais Dark Souls. Bah, c'est le premier boss, tu sais, donc. Et là, grand moment, l'arrivée à l'Ichefeu. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. The undead asylum in pilgrimage. C'est quand même plus pratique que le métro. On va pas se le cacher. Lordran. Prochaine destination, Lordran. Bienvenue au sanctuaire de l'Ichefeu. Ah putain, revoir ce monde, ça me. Ah là là là, je suis moustillé, j'adore ce jeu, putain. Par contre, j'arrête pas de penser aux gargouilles et à Anstan et Smaug. J'ai mal d'avance. Allez, un autre PNJ à tuer. On va se calmer. Alors. Pour la clé mort, il me semble qu'il faut 18 en force et 10 en dex, je crois. Et la clé mort, c'est la première grosse épée, il me semble, qu'on va avoir. Elle est sur le pont du dragon qui nous crache du feu dans la gueule, je crois, dans mes souvenirs. On va monter 10 en dex pour le moment. Un peu de la force. On va monter comme ça, ouais. Allez, c'est parti. Sachant que je crois, dans Dark Souls, malheureusement, tu n'as pas moyen de restat, de reset, contrairement à Elden Ring. Donc il va falloir faire très attention. Well, what do we have here? Bon, je crois que les morts en attendant de trouver d'autres armes. Oh putain, le hameau du crépuscule, pitié. Non! Pas les 5 FPS! Je vous rassure, il n'y aura pas de problème. On est sur la version remastered. On jouera avec les morts du coup en attendant une autre grosse épée. Moi j'aimerais bien jouer l'épée de Guts. La Great Sword. Mais je sais plus où elle est. Alors, voilà. Le piège. Le piège qu'on a tous fait. Hein. Aller dans les catacombes. Voilà. Un peu compliqué, elles sont où les catacombes déjà? Je peux sauter là? Je peux pas sauter, putain. Alors là, il y a un coffre qui est déjà ouvert. Alors je précise que c'est une deuxième run. Pas sur ma première run. C'est vraiment une autre partie là. Je préférais repartir du début. Oh. Sacré pigeon. Ça doit te faire des merdes, ça, mec. Alors, récupérons les objets. Explorons. Attendez, on a 10 fioles d'estus? C'est normal? Qu'il y en ait autant, là? 10 fioles d'estus? Ok. À mon avis, je suis trop matrixé par Elden Ring. J'avais l'habitude d'avoir moins de fioles et... Mais il me semble, dans mes souvenirs, que certains feux te donnent plus de fioles que d'autres. Me trompe-je. Ah, c'est l'Ichefeu, ok. Bah, c'est juste l'Ichefeu, d'accord. Bon, alors là, clairement, le but, en tant que joueur aguerri, c'est foncer comme un gros con, en ignorant les mobs, et choper tous les objets. Allez.
c'est de la merde. Ah, sympa, ouais, pourquoi pas, ok. Je prends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je vais marcher. Oh, attention, petit coquin, calme-toi, ça va bien se passer. Là-bas, il y a les catacombes, j'en veux pas, ça s'en va. Oh, là-bas, il y a un truc. Bon, alors là, ça va être coton pour revenir, mais au moins, je vais garder les objets, même si je meurs. Les jumelles, très bien. Allez, on esquive. Allez. Super. Allez, on prend tous les objets, on se casse d'ici, très très vite. La lancez-les, c'est parfait, j'adore. Allez, je me casse. Mec, il s'en bat les couilles, il fait son marché. Tranquillou. C'est bon ? Ah. Oh putain, je lui ai mis une distance, mec. Regardez-moi ces têtes de con, là. Comment on fait les émotes? Merde. Oh merde, j'aimerais bien les taunt. Select. Ah, le problème c'est que sur PlayStation, le bouton select c'est le bouton option quoi. C'est pas Seven qui joue bien, c'est le squelette qui troll, on est d'accord. Moi j'ai juste pris les objets, je m'en bats les couilles. Bon alors qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une petite lance. 86 de dégâts. Ah ouais putain, attendez, je viens de me rappeler d'un truc. Y'a pas un délire de durée de vie des armes? Il faut les réparer auprès du forgeron je crois si tu les utilises trop. Me trompe. Vos compétences présentes. Pardon. Pourquoi? Ah oui. Il faut plus en dex. Ouais, elles ont une durabilité. Pas de durabilité dans celui-là. Ah les gars, il faut se mettre d'accord. Ah les gars, il faut se mettre d'accord. Si vous commencez à vous contredire les uns les autres, ça va pas le faire. Effectivement, j'ai peut-être un doute. Je vais reset les mobs et je vais voir si j'ai pas oublié un objet. Je vais voir si j'ai pas oublié un objet, j'ai un doute. C'est un sacré bordel, c'est un sacré bordel. Il ment, il y a de la dura. Ouais, c'est ce qui me semblait, il y a de la durabilité. Effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Bon, on va vérifier si on n'a pas oublié d'objet. Je pense pas. Non, non, hein, on a, à mon avis, on a tout pris. Hein. Oh putain, je vais chier dessus là. Ouh là là. Ah. C'est ce qui causera ma mort, ça peut-être, non? Non, alors là-bas c'est les catacombes, je m'en bats les couilles. Oh, il y a un objet effectivement. Oh putain, on est pas rendu, mec. Ok, bon, j'ai vu un autre objet. Effectivement, j'ai bien fait de revenir. Il y a un objet. Il y a bien un objet. Putain, mais il y avait encore une prédiction à la con. Et c'est quoi ces vieilles prédictions là qui nous fait Yoshipam? Je les ai même pas vues les prédits. Je vais regarder s'il y a quand même pas un deuxième objet à la rigueur. Et mes âmes, soit dit en passant. Où est-ce que je l'ai vu déjà? Vous avez récupéré. Sujet, verbe, complément. Alors c'est quoi? Épée à... Oh bah parfait ça, dis donc. Ah, l'instinct du Savon a bien fait de l'alerter. Salut les sans-éclats. Ah ici c'est le... Bah comment il s'appelle? Le Chosen Undead. Je crois qu'il s'appelle.
Alors voyons voir cette petite épée. Vous n'avez pas assez de force pour utiliser cette arme à une main. Mais on peut l'équiper à deux mains. C'est 24 en force. Ouh. Ah oui, c'est dur. Hein. Ah, c'est dur. Hein. Ah, c'est dur. Oh, je joue un peu avec. Je suis en mid-roll. Ouais, je suis toujours en mid-roll. J'ai essayé un peu à deux mains. Après, je sais que dans Dark Souls, j'aime beaucoup avoir un shield quand même. Contrairement à Elden Ring. Ah, ça commence bien. Ça commence très très bien, ça. Bonjour, monsieur. Ok, bien joué. Je me suis fait niquer par le feu. Alors, toi en haut. Toi, tu vas pas l'emporter au paradis. C'est moi qui te le dis, mon cochon. Oula, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il me fait, Casimir, là? Allez, alors, je me rappelle, il y a un objet là-bas. Ouais, là-bas. Mais ça sent la mort. Ça sent la mort. Il faut prendre son élan. Ça sent la merde, hein. Là, ça sent pas bon. Il faut prendre son élan, mais... C'est risqué. Allez, on y va. Advienne que pourra. Hein. Ok, c'est bon. Je me rappelle être mort 2-3 fois, je pense. Lors de ma première run. Et je crois que c'est un anneau. Parfait, je crois que c'est l'anneau qui te permet de résister si tu crèves. Enfin, de garder tes runes, du moins. Fais voir, c'est où? C'est là. Disparaît à la mort, prévenant toute perte. Effectivement, c'est pour garder ses runes. Ça peut être intéressant si on a beaucoup de runes plus tard. C'est pas l'épée bâtarde, non. L'épée bâtarde, tu l'achètes contre le forgeron, dans mes souvenirs. Ça, c'est... c'est l'épée à deux mains, tout simplement. Sobrement intitulé l'épée à deux mains. Mais ce n'est pas l'épée bâtarde. Ce jeu devrait être fourni avec du Xanax. Allons, allons, ça va bien se passer. C'est quoi ce bruit? Ah, ça c'est le rat. Ça c'est le rat qui est juste au-dessus, ça. Ça c'est le rat qui m'attend dans le couloir. Ouais, je l'entends. Oh, le coquin, là. Oh, le coquin. Regardez, là, je l'ai vu. Ah, il y a un truc à dépasser du mur, là. Il y a un truc qui a dépassé du mur. Putain, je vois rien. Ah. Oh putain. Alors ça, ça c'est cocasse. Allez, on retente. Ça, ça va être cocasse, ça. Ah, ça va être très chiant, ça. Faudra faire un coup puissant. Pour que ça passe. Mais là, dans les endroits serrés, il faudra faire la grosse attaque. Attends, dans mes souvenirs, il y a un mec là. Derrière cette porte, il y a un mec. Peut-être plus tard dans le jeu. Allez, bienvenue au village des morts vivants. Le mec qui connaît par cœur, il s'en bat les couilles. Venez vous battre. Alors, on peut tomber là. Alors, bonjour monsieur. C'est un trap, ça, hein. Attendez, il y a un truc aussi ici. Oh, regardez, regardez, regardez. Regardez. Regardez le petit chien qui m'attend. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, attendez, il y a du monde. Excusez-moi. Ça va bien se passer. Voilà, t'es gentil. Il y a un petit bonhomme qui m'attend, là, accroché au mur, vous voyez? Petit coquin. Le gourgandin. Allez, le double kill.
Venez vous battre. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, bah c'est là où on a vu tout à l'heure. Mec, j'ai le bouclier de Spider-Man à un moment. Ouais, on est sur le remaster, ouais. On est sur remaster. Bonjour. Allez, dégage. Allez, dégage. Bien joué. Bien joué. Tu m'as touché. Oh, le bug. Putain, je lui ai fait un petit Zissi Sparta, là. J'entends des bruits de pas. Hein. J'entends des bruits de pas. Ah là, il y a un truc à récupérer là aussi. Putain, comment on fait pour l'atteindre cet endroit? Oh, c'est incroyable. J'ai joué il y a un an, je me souviens plus du jeu. C'est fou. Ah. Attends, comment on fait pour l'atteindre cet endroit là? Ah. Ah. Quelqu'un est tombé? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oh. Par contre, il va falloir maîtriser les roulades. Le truc, c'est que j'ai très peu d'endurance. Voilà, c'est-à-dire que je mets un coup et c'est fini, quoi. Admettons, j'esquive, je mets un coup. Ah ouais, il me faut de l'endurance, d'urgence, très très vite. Il me faut de l'endu très très rapidement. Chut, calmez-vous. On l'appelait frappe qu'un coup. Exactement, mais voilà la patate qu'il met. Il met un coup, mais voilà la patate. Humanité. L'humanité, le logo de l'humanité qui m'a toujours fait penser à une chatte de démon. Non? Je sais pas. Non? Un petit peu, non? Ça fait un peu vagin de succube. Non, je suis tout seul? Moi, je trouve. Ça fait un peu chatte de succube. Ah! Qui va là? Ah! Bah alors, ça fait du bien, ça! Oh putain, alors celle-là, tu l'as senti passer, hein. Quel plaisir de retourner sur ce jeu, putain. Oh, le fou. Mais du coup, il y avait rien ici. À moins qu'on puisse monter, là. Ah non, on peut pas monter, hein. Merde. Oh, on peut pas monter. Merde. L'âme d'un mort vivant perdu. Alors faut que je garde mes âmes. Parce que pas loin il y a un marchand. Oh les bruits de pas que j'entends mec. Ah c'est Resident Evil quoi. Se chie dessus hein. Oh alors là mec. Ah oui alors là-bas il y a un truc. Il faut bien sauter. Voilà pas comme ça par exemple. Le bon timing du yes sir. Merci pour le prime Jim. Allez. Bien joué. Oh, yes, sir. Ah, à chaque fois que je rate, je vais avoir un prime. Très bien. Merci, Youven. Ah, j'ai raté mon saut. Encore une fois. Pas cette fois. C'était bien tenté. C'était bien tenté. Oh, oh la vache, mec. Que de mise en scène. Toi, j'ai te retrouvé, toi. Ah, j'allais dire. Ah, je suis tombé quand même. Il me faut de l'argent pour me réparer les pieds là. Merci pour le prime, Andrew. Au secours. À l'aide. Ah oui, c'est vrai que l'épée à deux mains, je peux pas la contrôler à une main. Ouais. J'ai pas encore assez d'endu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien comme ça qu'il faut...
salaud! Oh, dans mes souvenirs, c'est comme ça qu'il faut passer. Bah... Ah mais attendez, je suis pas fou. J'étais passé comme ça la dernière fois. Ou alors faut... Ah non, attendez. Non, non, c'est comme ça qu'il faut passer dans mes souvenirs. Non, non, j'ai juste le mauvais timing. Oh. Alors... Ah non, c'est par le toit? C'est pas par là? Ah putain, dans mes souvenirs, fallait passer par là, mec. Je vais... Non, 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 dans mes souvenirs, c'est passé bien par là. Ah non, attendez, effectivement, on peut monter par là, là. Attends, mais moi, je suis sûr que j'avais réussi. Encore un sub. Ah, ça sert de tomber, hein. Rukul the best, merci pour le prime. Un petit sub pour le meilleur jeu, on est d'accord. Voilà. Oh, ça, c'est pas très gentil, ça. Moi, je suis persuadé que j'avais réussi à passer comme ça, hein. Alors attendez, là-bas, il y a du feu là-bas. Il y a du feu. Bonjour. Ah, le bouclier en bois, très bien. Bon, à terme, j'aimerais bien jouer grosse épée et bouclier. Alors déjà, il y a un feu sur la gauche. On va se calmer, on va le prendre. Le feu a été allumé. Alors je vais rajouter Backseat dans le titre quand même. Parce que même si c'est la deuxième run, hein, au cas où Dark Souls c'est pas un jeu facile, donc on va tester tout seul. Je fais exprès de garder mes runes. Putain, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Elden Ring, j'ai galéré à dire le mot âme. Et là, ça y est, me revoici sur Dark Souls, je galère à dire le mot rune. Enfin l'inverse du coup. Là, ça sera l'échelle à faire tomber tout à l'heure. Depuis le pont. Salut! Oh merde. Ah, j'ai mal joué, effectivement. Oh la petite esquive. Oh là là là. Oh là là, petite esquive. Il faut que j'apprenne à timer. Il faut que j'apprenne à timer les esquives. Il faut que je m'entraîne. Bon, on va essayer. Hop, on esquive. On esquive. Voilà. Et on riposte. Bonjour, messieurs. Alors est-ce que même si... Ah putain, ils ont des lances, c'est trop chiant. Oh, ils ont des lances, c'est chiant. Ah. Donc même avec le shield... Mais qu'est-ce qui branle? Allô? Ça va être très chiant sans shield, hein, je t'avoue. Ok, c'est moi qui ai mal joué. Mauvais timing. Il va vite falloir se reprendre. Ah non, le marchand il est là, d'accord. Ah, c'était pas du tout là-bas en fait. J'ai failli appuyer sur la touche taper. Hein. Dans mes souvenirs, il est assez insupportable ce gars. Well now, you seem to have your wits about you. Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux mon cul ou Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below, and up above there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. D'accord. Le monstre bouc en question, je pense que c'est le deuxième boss. Dans mes souvenirs, on dirait Zod de Berserk. Clé de la demeure. Ouvre les demeures du village des morts vivants. Ah, âme requise 3000. Ah. Ah non, ça c'est 1000, d'accord. Et la boîte à outils c'est 3000. Alors, dans mes souvenirs, la boîte à outils c'est très bien. Mortier spécial de réparation d'armes et d'armures, obtenu en broyant de la poudre de réparation. Reposez-vous près d'un feu pour pouvoir renforcer vos armes et pièces d'armure. Dans mes souvenirs, ça c'est pas dégueu. Ah. Ça c'est quoi déjà? C'est pas dégueu aussi ça.
Donc ça, c'est pour déposer nos objets. Ça, c'est bien. Bon, après, c'est pas très non plus... Je crois que t'as un inventaire infini, en gros, donc on s'en bat les couilles. Ça peut être sympa. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Poudre de réparation. Pardon ? Ouh là là, attends, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Donc ça, c'est pour l'online, je m'en bats les couilles. Bon, j'ai rien à foutre. Bombe incendiaire, ok. Pas de récupération des stus, qu'est-ce qui se passe ? Talisman employé par les chevaliers clairs du grand maître Lloyd pour chasser les morts vivants. Bloque la récupération des stus dans une zone limitée. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Fais voir tes armes. Dague, épée courte, cimetière, rapière, hache légère, massue. Ouais. Hein, qui vous intéresse. Ça, je m'en fous. Là, on a quoi, là? Très bien, c'est de la merde. Je vais m'acheter un... Je vais m'acheter... Il faut que je m'achète ces trois trucs. Je pense que c'est très important. Salut Seven, pourquoi une deuxième run plus qu'un autre Soul? Parce que j'avais envie. J'aime beaucoup Dark Souls 1. Et puis, comme j'ai dit au début de live, je n'ai jamais fait les DLC. C'est une grande frustration. Donc cette fois, on va faire les DLC. On va leur casser la gueule. Ah, tu peux l'utiliser qu'une fois. Alors attendez, j'ai le passe-partout. Sans mauvais jeu de mots. En don, j'ai pris le passe-partout. Le truc qui permet d'ouvrir quasiment toutes les portes. Donc je vais peut-être pas l'acheter tout de suite, ça. Je vais acheter ça. Et je vais essayer de farmer pour avoir la trousse à outils. Thank you kindly. Oh, you again. I hope you brought plenty. What a waste of time. Ah, de me souvenir. Fall off a cliff. C'est sérieux là? Premier marchand du jeu, je me fais insulter? Mais... Ça c'est pas très gentil ça. Qu'est-ce qu'on a là? Des caisses à buter. Bon, il y a toujours quelque chose de... De non résolu. C'est atteindre l'échelle qui est là-bas. Peut-être faut-il avancer, je ne sais pas. Ça coûte rien de se régénérer un petit peu. Bon alors là, il y a beaucoup d'ennemis dans mes souvenirs. Bon, restez tranquille. Ça va bien se passer. Oh, le joli but. Ok, bon là on a fait une bonne bon petit truc là. Ah, ouverture impossible, très bien. Oh putain. Oh là là, il y a des ennemis partout là. Oh, il est énervé lui. Bonjour monsieur. Ah. Ah oui, le coup de pied, comment on fait? Ah oui, c'est en avançant. Et R1, ok. Ça c'est pour désarmer les mecs qui ont un shield. It's a trap! Oh oui! Oh, des trucs à détruire! Ah, ça nous avait manqué Fabio ça hein. Ah, un coffre! Caton? Bombe incendiaire noire, très bien, ça c'est pour casser des gueules. Ouais, j'avais vu que le DLC c'était l'enfer pour y accéder. Je sais. Dans mes souvenirs, tu dois buter un mob en particulier dans la bibliothèque de 6. Une fois que tu as l'objet de ce mob, tu dois aller dans le grand lac où il y a l'hydre. Là-bas, tu as un gros golem d'or. Tu le butes, le gros golem d'or fait apparaître un PNJ, et je crois que je suis un truc à faire avec ce PNJ. Je crois. Bonjour messieurs. Alors comment on va faire? Alors je peux mettre un grand coup et je fais un triple kill. On parie? Ça n'a pas marché. J'ai échoué. Mais confuse.
Attends, alors là, il vient de faire une attaque sautée. Comment t'as fait cette attaque sautée, mon ami? Ah, mais attendez, il y a un autre coup. Si en même temps que t'avances, tu mets un petit coup, un petit à-coup, et que tu fais R2, il fait un petit saut comme ça, plutôt que de rester sur place et de faire ça. D'accord. Ouais, ok. Très bien. C'est absolument ça, le DLC? Ouais, dans mes souvenirs, c'est un bordel. Hein. On est d'accord. Un backstab. Oh. Oh, c'est un échec. Oh. Oh. Ah. Attendez, on peut aller là? Non. Ah si, attendez, on peut aller là. Qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, on est même pas récompensé. Mais non, on peut pas aller là. C'est de la merde. Ils ont quand même eu une petite ouverture au cas où ils se disent peut-être des joueurs cons qui vont tester d'aller là. On va les laisser repartir, c'est pas grave. J'ai perdu de la vie. Mais bon, Fabio, il va falloir reprendre du poids de la bête là. Depuis Elden Ring, à mon avis, là tu t'es un peu trop passagier là. J'ai pris des dégâts, mec. Allez, j'ai utilisé le passe-partout. Alors. Résine de pain doré. Alors je crois que ça c'est pour augmenter les dégâts. Pendant un petit laps de temps. Ajoute un effet de foudre sur la main droite. Eh bien je crois que c'est ça, non? Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu? Il y a un truc qui est tombé. Il y a un cadavre. On le voit. Oh putain, je peux pas voir l'objet du coup. Il y a un mec qui s'est suicidé là. J'ai vu un mec sauter, je vous jure. Même pas une heure de live, il y a déjà des trucs de... Dommage. Aïe aïe aïe, quel dommage. Quel dommage, Fabio. Allez, essayons de timer les esquives. Fais voir, on va tester. Vas-y. Tape. Bon, elle va te faire foutre. C'est pas grave. Excusez-moi, hein, mais il y a un truc qu'on n'a pas réglé. Et ça me stresse. Comment atteindre cette putain d'échelle rouge? Salut, God Aiden. Oh, les dégâts. Par contre, ça met des patates, ça, on est d'accord. Alors, là, vous voyez, il y a une sortie par là, là. Non, mais attendez, je suis sûr qu'on peut atteindre l'endroit que je veux en sautant comme des cons, j'en suis sûr. Non, on peut... Ah, bonjour. Excusez-moi. Je fais que passer. Bon, au moins, on farm, hein. Oh, dis donc! Qui m'a tapé? Y'avait pas un mec derrière moi là? Ah si. Ah. Tout va bien. Alors par contre, j'ai pas eu de frame d'invincibilité là. J'ai esquivé son coup à la con. Il me touche quand même, ce chien de la casse. Bonjour. Ah, ça c'est cocasse. Oula, 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 oula. Alors, en pleine esquive, il m'a touché. J'ai roll trop tôt. Ouais, je me doute, mais... Ah, attendez, je suis bloqué, là. Il faut taper, non? Non. Au moins, on a un objet. J'essaie une dernière fois de sauter. Et si ça passe pas, j'arrête. Je continue mon aventure. Mais c'est marrant parce que dans mes souvenirs, on pouvait. J'ai peut-être une...
Oh, par contre, mec, j'ai un manque d'endurance flagrant. Quoi. Oh putain. J'ai un manque d'endurance, c'est flagrant quoi. Et je te dis, je te jure, je vois des cadavres bouger. Hein. Je vois des cadavres bouger. Je peux pas glisser comme dans. Je peux pas glisser comme dans Elden Ring. Si, dans mes souvenirs, je peux glisser. Ah! Alors j'ai absolument pas compris comment j'ai fait, mais admettons. C'était prévu. Ah mais non, mais en fait c'est un cul-de-sac, je suis obligé de passer par là, d'accord. Mais l'endurance, faudra le monter. Parce que c'est une stat très très importante. Dans mes souvenirs, le truc... Putain, mais les bruits de pas, mec... Oh. C'est cocasse, ça. Oh, pourquoi tu t'es mis à une main, mon ami Fabio, là? Dans mes souvenirs, la résistance, on s'en bat un peu les couilles. L'intel et la foi, on s'en bat les couilles si on veut jouer force. Par contre, je crois que c'est foi ou intel. L'un des deux est très important parce que l'un des deux va te permettre d'éclairer ton chemin. Indispensable à un certain moment du jeu. Indispensable. C'est la foi, ouais. Allez, j'essaie une dernière fois, les gars. Allez. La dernière. Non, on peut pas. J'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est pas grave. Il doit y avoir un autre moyen, c'est pas grave. Allez, je vais fermer encore un petit peu. On est bientôt à... à 3000. Bah alors. Oh non. Oh non. Oh, Fabio. Pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Alors j'essaie de timer l'esquive mais c'est compliqué hein. J'esquive, non raté. Faut que je reprenne les habitudes. Parce que eux sinon il y a une technique simple. Voilà. Tu tournes, tu backstab. Je suis bientôt à 3000 runes. Après la boîte à outils, est-ce que je m'en servais dans ma première run? Mais non, je crois que je m'en battais les couilles. J'en avais rien à foutre. La boîte à outils, je m'en battais les couilles, je crois. Je donnais tout au forgeron, je m'en foutais. Bon. Je vais monter l'endu. On peut monter de 3 levels. Pas grave. Quand j'aurai moyen de me faire beaucoup de runes, je continuerai. Allez, on va avancer. J'avais oublié ce petit détail. Il m'a vu ? Ouais, parce que si j'avance, il va me faire chier. Oh la vache. Oh l'esquive ! Oh là là, l'esquive ! Oh là là, ça c'est bien. Ça c'est ce que j'aime. Ah là, il y en a beaucoup là. Vous voulez pas venir, voilà. Venez les uns après les autres. Soyons méthodiques. Ah! Ça, c'est cocasse, ça, tiens. Non, mais alors, les gars, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter de se jeter des cailloux? S'il vous plaît. Un peu casse-couille, ça. Bonjour, monsieur. Ouh là là, il est énervé. Il est énervé. Quelque chose me dit qu'il va vite falloir jouer Shield.
je vais faire. Alors, il y en a un qui m'a vu. On va l'attirer. Ouais, je vais pousser, hein. Allez. Allez, mes mères. D'accord, ok, t'as gagné. Allez. Là, par contre, il y a des ennemis assez retors dans... Ah oui, alors attention. Moi, je me rappelle d'un truc assez drôle. Ils m'avaient suivi dans les escaliers, ces mecs-là, et c'était galère de les buter. Normalement, ils m'ont pas vu. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Ah, bonjour, monsieur. Mais casser des gueules. Alors, c'est la technique. On avance un peu. Voilà, on attire un. On le bute. On attire un deuxième. On joue poussi, on s'en bat les couilles. On n'est pas là pour le beau jeu. On est là pour finir le jeu. Non mais vas-y, arrête de faire le gamin, là, c'est lent. Ah, c'est bon, voilà. Allez, on a gagné. Ça fait casser la gueule. Ah, ça c'est cocasse. Merci à tous. D'avance, vous pouvez vous faire foutre pour que je fasse le mec en bas là. Ça c'est hors de question. Par contre le truc c'est qu'il a un objet intéressant. Je t'avoue que j'ai bien envie de tester. D'aller le chercher au moins l'objet. Alors lui on le tombe pas je pense. Mais oh il tarasse. Bon, j'avais espéré que ça passe. J'avais espéré. Merci pour le prime, Elixir. Je sais plus s'il y a un... S'il y a un feu, là. Ok, on a utilisé le passe-partout. Qu'est-ce qu'on a, là? Oh, putain, où est-ce que je vous emmène, là? Dans mes souvenirs, il faut aller en haut, hein, mais... Attends, c'est pas en bas qu'il y a Havel? Oh, putain, je crois que c'est en bas qu'il y a Havel. S'il y a Havel, mec, je cours. Dans mes souvenirs, il y a un archer là. Il y a un archer. Pas du. Oh, c'est. Oh putain! Oh le fils de chien. Je savais que t'étais là. Nigalendayo! C'est pas de la fuite, c'est une technique. C'est une technique de Jojo's Bizarre Adventure. Il me suit encore? Il me suit plus là. J'entends. Mec, mais attends, mais c'est quoi ces bruits de pas? C'est flippant là. What the fuck. Allez, je vais essayer d'aller chercher l'objet. 1700 runes qu'on va perdre, les gars. On les sent. L'objet est là-bas. Ok. Ok. Alors. Toi, je vais pas essayer de te taper, je vais juste me protéger. Hein, on va faire ça. Allez. Salut ma gueule! Et merde. J'ai voulu tester un backstab! Esquive! Voilà, allez, on court Fabio! L'objet! L'objet, ta mère! Vite! Anneau de pierre, l'arme bleue, c'est super, j'aime beaucoup! Allez, comment on va faire maintenant? Esquive! Bien joué! Esquive! C'est super, on s'en sort, mec! C'est parfait! Allez! Est-ce que t'as le temps de te régénérer un petit peu? On a le temps. Il est rapide ce con. Hein. Oh, il est rapide. Oh, t'es rapide, mon gars. Oh, j'ai envie de tester. Ah, allez, je vais tester. Ah, oh, les dégâts que tu cales, mon cochon. Après, y'a moyen, si je spam toujours la même attaque. Bug? Qu'est-ce qu'il a? Non mais ça va pas la tête. Écoutez, il est complètement con. Bon.
voilà. No hit. Alors on a droppé, il est où? Ah, Espadon du roi chevalier. Oh putain. What les dégâts? Attendez. On passe de 130 à 220 là? Ah oui. 20 en force, 18 en dex. 220 de dégâts? Les mecs, je vais pas jouer ça, c'est trop. En vrai. Attendez, mais les boss, j'ai pas envie de les... Attendez, monsieur l'arbitre. 220 de dégâts, monsieur l'arbitre. Gros château que tué, le drop est faible sur cette arme. Ah ouais? Pour une fois qu'on a de la chatte. Oh là là! Ah, même à deux mains, je galère du coup? Ah, attendez, il y a un truc que j'ai pas compris là. Je suis à deux mains et pourtant elle galère. Alors attendez. J'ai du mal lire les. Parce qu'on a, on a vraiment pas assez d'attributs à tous les coups. Donc du coup, on peut vraiment pas jouer avec ça. Une arme bien rare, mon cher Seven, c'est un signe! Tu vas devoir punir avec violence ces dissidents. Eh bien oui! Tous ceux qui ne sont pas adeptes de Fabio seront punis. Alors juste, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi même à deux mains je ne peux pas la porter? On n'a peut-être pas le niveau ou un truc du genre, non? Alors vos compétences présentes ne vous permettent pas de bien manier cette arme. Non, et non, non. Non, monsieur, voilà. Alors il faut 20 en force et 18 en dex. A tous les coups, c'est parce que dans l'un comme dans l'autre, on n'a pas les attributs requis. Du coup, on est des grosses merdes. Ah, avec deux mains, ça augmente ta force, mais pas ta dextérité. D'accord, donc c'est... D'accord. Bon, c'est une bonne arme, mais on peut pas la mettre. C'est réglé. Peut-être un jour. Bon, apparemment, on a eu de la chatte, de la drop. Attends, qu'est-ce qui va pas déjà dans... Dans celui-là, là? On n'a pas assez de force. Allez, 24 en force, mec. Ah oui. Ah oui. Et du coup, c'est quoi les lettres? Non mais... Ah, j'ai trop l'habitude d'être dingue. Alors, c'est C en force et D en dex pour le moment. Ça scale comme ça, d'accord. Faut vraiment que je fasse gaffe parce que tu peux pas reset dans Dark Souls. Tu peux pas reset. Bon. On va y aller comme ça. On va sur le deuxième boss. Est-ce qu'on peut rush comme des gros porcs? Est-ce qu'il y a moyen de rush comme des gros porcs en ignorant les ennemis? Je suis pas sûr. Hein. Ah, petite flèche dans le cul, ça fait toujours du bien. Je suis pas sûr. Hein. Je me rappelle plus si c'est comme dans Elden Ring. S'il te plaît. Voilà, merci. Allez. Moi j'ai envie de casser des gueules là. Ah mais il y a un truc caché là. Là il y a un truc caché, je me rappelle. Oh. Il y a un truc caché, il y a un petit scarabée là. Non. Ah bonjour monsieur. What? La roulade passe pas, mais... Attendez, la frame d'invincibilité est beaucoup plus courte que dans Elden Ring. Hein. Ah monsieur... Ah, il en joue, on joue au jeu des vrais bonhommes. Bon, nous voilà rendus. C'est marrant, mais dans mes souvenirs, il y a un petit. Il y a un petit scarabée là. Ou alors je confonds. Je confonds d'endroit là. Bon. Mais si j'entends un bruit. Bah, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Bon, allez, deuxième boss. On va battre Zod. On va combattre Zod. Ouais, je me rappelle, je me rappelle. Ouais, ouais, ouais. Vous allez me canarder, vous, je me rappelle. Ouais, ouais, ouais. On me la fait pas, moi. Non, non, non.
Il zozode. Oh, Tati, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Ah oui, non, en fait, il faut appuyer sur rond sans toucher à rien d'autre. C'est ça, hein. Ok. Viens te battre. Ah, mais dans mes souvenirs, il y a une petite technique. Tu montes, t'attends qu'il soit en dessous, et tu lui éclates sa gueule avec une attaque sautée. On va essayer. Je sens que ça va mal se passer. Je l'ai jamais fait, on va tester. Allez, doucement la musique, doucement. Oh putain, monte, Fabio. Oh putain, Fabio. Ok. On y est, let's go. Dans ta gueule. Ok, bien joué. Esquive. Bien joué, Fabio. C'est ça qu'on aime. Tu peux te soigner? Il faut sortir d'ici. Tu m'as coup de pied. Mais pourquoi il m'a coup de pied ce con? Esquive sinon on meurt là. Allez, soigne-toi. Allez, réesquive et on tape. Allez, on esquive et on tape. Allez, deux boss de first try. Joue baise. Non sans difficulté, mais Par contre, là, vu les dégâts qu'on lui a calés avec cette épée, je n'ose imaginer avec l'autre. Hein. Ouais, mais c'est parce que tu joues Eclipse Lunaire, ta gueule. Ta gueule, tout le monde s'en branle. Non, j'ai pas fait Dark Souls 2. Bon, allez, From Software, c'est simple, j'ai fait Dark Souls 1, Sekiro, Elden Ring. Et l'un de mes objectifs a toujours été de tous les finir. Donc, il y aura Demon's Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 et Bloodborne. C'est marrant, mais la plupart des gens me demandent de jouer à Bloodborne. Tous. Et pas les autres. Faut croire que les gens l'aiment vraiment beaucoup. On verra. Lui, je l'ai buté à la bombe incendiaire. Mais figure-toi que dans ma première run aussi, mec, je l'avais buté avec les bombes incendiaires, je crois. Oh putain. Oh putain. C'est calme. C'est beaucoup trop calme. Alors, pour ceux qui ont fait le jeu, rappelez-vous de votre première run. Est-ce que c'est pas le seul moment du jeu où on a été bloqué? Le moment où on bat un boss super loin d'ici, et on doit revenir là pour ouvrir cette porte-là, là. Et tu dois le savoir qu'il faut ouvrir cette porte. Moi, c'est là où j'ai été bloqué, perso. J'aime pas trop beaucoup ça. Ah ! Il est là ! Il est ici ! Priez le soleil, mes frères ! Ah, hello. You don't look hollow, far from it. I am The Sun ! An adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Alors, il y a Vlalorash chez moi. Donc, si on déconnecte... Voilà, c'est qu'il y a une coupure de courant, vous inquiétez pas. Alors, épuiser les dialogues dans un Dark Souls. Toujours épuiser les dialogues. Oh, aha. So I didn't scare. I have a proposition. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? As tu veux, mec. This pleases me greatly. Stéatite de marque blanche. We are amidst strange beings. The flow of time itself is convoluted. With heroes sent to the very fabric wavers, and relations shift
Presse de saint. But use this to summon one another as spirits, cross the gap and engage. Of course, we are not the only ones engaged in this. Mais alors, par contre, je reprécise. Alors, je précise que dans ma première run, j'avais battu tous les boss en 1v1. Je compte le refaire sur cette run. Et justement, c'est bien ce qui m'inquiète, parce que là, on joue en force avec des grosses épées, on est très lent. Et en fait, je suis en train d'imaginer comment ça va se passer avec les gargouilles, là. Ça va être très comique. Merci pour le troisième mois, Mi Chronos. Un mois de plus au service du roi. Merci à toi, Chronos. Alors là, le dragon qui va nous casser la gueule. Ah bah, c'était bien la peine de faire attention. C'était bien la peine de faire attention. Je viens de me faire casser le cul. Bon, mission, allez à droite. La sortie est à droite. Alors, je crois que c'est quand je touche la tache bleue, il crache du feu. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, à mon avis, il faut que je fonce comme un gros con, là. On fonce comme des gros cons? On fonce comme des gros cons. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais je pensais qu'il allait... Il marche bizarrement, ce dragon. Hein. Ah, attention, il y a un archer. Et là, il y a la, il y a la clé mort. Ah, je m'en rappelle, il y a la clé mort, là. Bon écoutez, avant toute chose, on va sauvegarder. On va enregistrer le feu qui est en dessous. Ah non, c'est pas là. Ah si, c'est après je crois. Oh, faut pas que je crève, j'ai plus de fiole d'estus. Putain, il faut vraiment pas qu'on fasse les cons là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ça? Allez, viens te battre. Jouer. Non mais monsieur l'arbitre, il est crevé ou quoi lui? Il y en a un autre là, hein. Je suis pas con. Ouais. Allez dégage, coup de pied et on enchaîne. Sachant qu'ici il y a moyen d'avoir une arme ultra fumée si tu vises sa queue avec un arc, mais cette arme est vraiment trop fumée pour ce moment du jeu, donc je ne le ferai pas. Et là, on va rencontrer la pire des races, les rats. Avec les chiens, ces saloperies. Comment on va faire? En vrai, je suis pas rassuré hein, de pas pouvoir jouer avec un shield, c'est un peu chiant. Il y en a un autre là, il y en a un troisième, et ouais. Putain, t'es mal envergure du vertébré. Non mais attendez, je l'ai raté la sortie là. Pour que l'échelle rouge rejoigne l'autre feu. Oh merde, c'est fermé. Putain de merde. Ok, on a raté un truc. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de feu. On a raté un truc, clairement. Putain, attendez, mais j'ai raté l'endroit où... Et puis là-haut, il y a un boss qui est assez vénère. J'ai raté l'endroit où on rejoint l'autre feu avec l'échelle rouge à descendre. Je l'ai raté. Et là, j'ai 5000 runes. Alors, j'aime autant dire que si on meurt, c'est la badance. Quoi? Ah, c'est le mec qui est au-dessus. Ah mais non, c'est là, ok. Bon, j'ai bien fait de revenir en arrière, voilà, comme ça on la descend. Oh, oh mais ce level design! Ok, donc on revient ici, on va aller acheter la boîte à outils au cas où. Ah, ça c'est cocasse.
Oh là, l'endurance quoi. Viens mon ami. What? Non mais monsieur l'arbitre, là il y a un move qui a pas été autorisé là. Attendez monsieur l'arbitre, il passe au-dessus du vide et des murs. C'est quoi cette histoire là? Tout le monde a vu. Attendez, là le mec il vient de faire un coup, ça va quoi? Ça va Senna? Ok, bien joué. Casque de maille, je m'en bats les couilles. Bon, on va acheter ça, c'est pas grave. Ah, mais attends, il y en a plusieurs? Non, c'est bon. Ok. Ah, je bug! Ah, je glisse! Ah! Ah, j'ai des bugs! Ah, j'ai des bugs! Ah, pardon, j'ai des bugs. Pardon, j'ai du ping. J'ai du ping. Pardon. Ça lag. Allô. Ça lag, hein, y'a du ping. Horrible quand ça fait ça. Mais ouais, hein, c'est pas cool, hein. Et je crois que le pire, c'est que il me pardonnera jamais. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du jeu, le mec va vouloir me tuer. Bien sympathique. Non mais attends. Non mais regarde toute l'endurance que ça utilise. Ah non mais attendez, ça va être compliqué là. Bon, allez, je remonte. Ah bah cette époque pas de rosée divine comme dans Elden Ring, jeu de casu. Ah là on est sur un jeu de vrai bonhomme. Les gros boomers tu sais. Moi de mon temps tu tapais un PNJ, il était vénère. Il t'en voulait jusqu'à la fin du jeu. Il te pardonnait pas. Allez viens. Oh mais il se fout de ma gueule hein. Les trous gamers ouais. Bon allez, t'as gagné. Je vais essayer de revenir en haut. Parce que je veux la clé mort. Et une petite technique pour farmer, voilà. Merci bien. Mais je le ferai pas moi du coup. Je le ferai seulement en off pour pas qu'on me juge. Il s'en bat les couilles. Voilà. Allez. Descends de ton piédestal. Descends de ta tour d'ivoire là. Viens. Comment on fait pour le faire descendre déjà? Viens. Faut jouer avec l'IA là. Je crois qu'il faut faire haut, bas, gauche, droite. Arc de cercle, Hadouken, rond, triangle. Allez voilà. Eh ça marche hein, je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit. C'est ça hein. Allez. On a la clé mort. Je m'en bats les couilles, je l'ai. Haha, l'horreur. Oh putain. On l'a? Non on l'a pas. Ah si on l'a c'est bon. Ah, on a la clé mort. Alors pourquoi tout le monde parle de la clé mort? Pourquoi est-ce que tout le monde suce la clé mort? Est-ce que ses stats sont si ouf que ça? Elle fait moins mal que l'épée à deux mains. Mais elle est moins lourde et surtout, elle nécessite moins d'attributs. 16 en force. Ah, peut-être qu'elle est appréciée pour son scaling. C en force et C en dex. Le 2 à gauche de ma vie, je crois que c'est mes humanités. Écoutez, c'est vrai ça, pourquoi tout le monde se touche la bite sur Claymore? Sûrement pour son scaling.
peut-être une bonne arme au début du jeu parce qu'elle demande pas non plus. Polyvalence à une main et à deux mains. Ouais, sûrement. Écoutez, moi je voulais jouer avec elle un petit peu, on va voir. Nous on est là pour utiliser des grosses épées. Alors là ça va être très comique ce qui va se passer. Je vais expliquer ce qui va se passer lors de cette prochaine demi-heure. On va pas arrêter d'essayer de passer derrière le dragon pour essayer d'avoir le feu qu'il y a derrière lui. Voilà ce qui va se passer. Oh là là, il est énervé. Allez. Bas, droite, rond, triangle, X, Y, D, W, erreur 404, not found, ludique, arc de cercle. Allez! Allez! Je te t-bag le dragon, moi! Ah, il y a un objet, il me le faut. Il est là? Où est-ce qu'il est? Monsieur? Oh, il est là-bas, c'est beau. Bon, on est tranquille alors. Regardez comme c'est beau, regardez comme il est majestueux. Non, mais attendez, attendez, les gars, attendez. Laissez-moi montrer un truc à mes viewers. Alors, il y a une épée qui me rentre dans le crâne, mais regardez, il est là-bas, je l'ai vu. Non mais, c'est pas cool ça. C'est ça que j'aimais dans ce jeu, c'est que tu pouvais voir d'où tu venais en fait. Ça rendait vraiment le monde cohérent. Enfin, je l'avais déjà dit dans mon test en carton, mais... Bon là, on a les déprimés de la vie. Voilà, il est pas content. Voilà. Voilà, il est pas content parce que Savon, il a fait un test en carton sur un jeu non Nintendo. Mais je voulais Twilight Princess. Il sort la vidéo d'Elden Ring 3 mois après, il est encore en retard. А что, мне не довезти, когда я есть шоколад? Я тоже уже хочу шоколад, блин. За тобой, блин, мне тоже шоколад. Мне тоже шоколад. Я тоже хочу шоколад. Moi, je l'imagine comme ça, hein. Alors, ouais, j'allais dire. Salut mon bonhomme. Merci pour le prime, Kayuzo. En tout cas, c'est jouissif de jouer avec des grosses épées comme ça, là. À voir comment elle scale, enfin, je veux dire, quand je vais montrer de niveau. Et du coup, là, on a un petit passage secret ici. Très bien. Est-ce que le dragon va revenir ou on est tranquille? On est tranquille. Oh la classe! Ah. Ah non, c'est pas. What? Oh, il se soigne! Oh la classe! Comment j'ai fait ça? Oh, ce Chad! Par contre, dans mes souvenirs, si je m'avance encore, le dragon revient. Et on est dans la merde. Ouais, la clé mort est cool, ouais. Réparer équipement. Ah, pas besoin, du coup. Je suppose que la durabilité des armes, c'est le 199 ici. 199, 180, 247. Je suppose. Ah, mais l'épée à deux mains, mec, elle faisait très très mal quand même. Elle me manque. Allez, on va monter la force. On a envie de casser les gueules. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Allez, on continue, les gars. Let's go. Alors, dans mes... Alors. Dans mes souvenirs, il y a un mec qui est assez vénère en haut. Il est assez énervé. Autant le tester. Ah, ça, il arrive. Je l'ai entendu.
On va voir si on peut le tomber. Ce qui vient. Ah, il arrive. Je vais essayer de le fight en bas là. C'est long. Enfin, mais qu'est-ce qu'il branle là? Faut que j'aille le chercher ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, tu m'as vu? Allez, viens. Je sais plus si je le tombe. Je sais plus s'il est si dur que ça à tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Mais je vais le fight en haut, hein. Ah, il est là, c'est bon. Allez, viens. Je sais plus du tout si je le tombe. Oh la vache, les dégâts du gars. Est-ce que je peux te taper ou... Ah oui, d'accord, je le tombe pas du tout en fait. Il a v'là les raises. Ah. J'ai mal. Aidez-moi. Seigneur. Ouais, et puis contrairement à l'autre arme. Attends, pousse. Non, ça marchera pas, j'aurai pas le temps. Est-ce que j'ai le temps de changer d'arme pour tester l'autre arme? Alors, voyons voir si avec cette arme... Oh putain, je suis à deux mains. Ah non, ça fait rien. Je lui fais mal, mais... Je lui fais mal, mais je ne le sonne pas, comme le mec de tout à l'heure. Je lui fais mal, mais... Il est pas sonné. Je pensais que, comme le mec de tout à l'heure... Ça le repousserait un petit peu et ça lui ferait un petit moment où il peut rien faire. Bon, c'est pas grave, je vais le passer lui. Je reviendrai plus tard. Espadon du roi chevalier, putain, celui-là j'ai vraiment envie de le... En fait, il faut que je monte la dex, en fait. Ah ouais, faut que je me mette 18 en dex, mec. Hein. Il nous faut celui-là. Hein. Il nous le faut. Ok. Bon allez, continuons l'aventure. Attends, mes runes. Ouais, les parades. C'est vrai que moi je jouais pas tant parade que ça. Le jeu, c'est vrai que je l'ai fini sans parade, hormis contre Gwen. Mais faudrait que je les gère. Alors, attendez, là il y a un truc. Dans mes souvenirs, ce gros sanglier, il faut le foutre dans le feu. Il y a un truc à faire avec ce sanglier. Je ne sais plus exactement. Oh putain, il y a des ennemis là. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, non mais... Bon alors, le sanglier dans mes souvenirs, il faut lui tomber dessus ou le foutre dans le feu, je sais plus. Je sais qu'il y a un truc à faire avec lui. Bien joué Seven, bien joué. Toujours s'occuper d'écran en premier normalement, mais... Ouais, on va s'occuper d'écran. Ça veut pas. Petit backstab. Ah non, même pas. Je vais me faire foutre. Ok. Bon alors, comment je vais faire? Dans mes souvenirs, il faut l'attirer dans le feu avec un objet. C'est peut-être le crâne élégant.
Ouais, c'est ça. Comment je vais faire? Comment je vais foutre aller là? Comment je vais le faire aller là-dedans? Faut voir si je le balance ici. Ah, j'ai peut-être chié dans la colle là. Allez, next. Heureusement qu'il y a les souvenirs qui reviennent. Parce que putain, je peux t'assurer que ce mini-boss là, comme un con, j'ai essayé une bonne heure de le battre à la loyale. Mais ça, tu vois, comment tu veux savoir ce genre de truc? Mais je pense que ça faisait le charme du jeu à l'époque, d'aller sur les forums pour voir comment passer tel et tel truc. J'ai rien oublié. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un mec. J'ai vu un cadavre. Ah non, c'est pas du New Game Plus. C'est vraiment une autre run là. Je me suis dit autant retester ça tous ensemble tranquillou. Est-ce que j'oublie un truc? Alors ce que vous savez pas, c'est que je prends mon temps parce que je retarde les gargouilles. Voilà. Vous savez tout. Parce que les gargouilles, à mon avis, même si on y arrive lors de ce live, à aucun moment on les bute. Vraiment. Ah, bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais là il y a un piège là. Là il y a un piège. Eh ouais, il y a des gens là. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ouais, je t'ai vu. Oh là 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 là, il y en a là-dedans. Oh, c'est quoi ce motherfucker? Attendez, je pousse mon bureau un petit peu là parce que je me disais c'est bizarre, l'écran il est... Il est proche de moi. Ah, très bien. Il est déjà au maximum. On n'est pas dans la merde. Ah oui, d'accord. Donc lui, il était programmé pour me faire chier dès que je prenais l'objet, quoi. Oh, Casimir. Petit backstab. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Ah, ça, c'est un joueur de USWO, ça. Il est énervé. Il est énervé. Tu me diras si je joue à deux mains, autant prendre l'épée, la grande épée à deux mains parce qu'elle fait plus mal. Bien joué. Merci pour le prime, la loutre en chaussette. Putain, les fioles d'astuces ne me font rien récupérer quoi. Dans mes souvenirs, il faut les améliorer près d'une sorcière. Qui a à l'Ichefeu, qui est enfermé à l'Ichefeu. Je ne sais plus avec quel objet. Alors par contre, je déconne pas, hein. La frame d'invincibilité de l'esquive est beaucoup plus courte que sur Elden Ring, hein. Vraiment. On va reprendre l'habitude, hein, c'est pas grave, mais je tenais à vous le dire. Pendant l'esquive, j'entends. Qu'a-t-on ici? Est-ce que si j'enlève le bouclier, je suis en... Non, je pense pas. Attendez. Mais si, on est beaucoup plus rapide. Ah bah si, on est beaucoup plus rapide. Si si, le roll est beaucoup plus rapide, j'allais dire. Effectivement. Bon. Et bah il va vite falloir monter l'endurance. Ou avoir l'anneau d'Avel, j'en sais rien, mais là... Je suis beaucoup plus rapide hein, sans le bouclier. Mais je préfère toujours avoir un bouclier à côté de moi.
je vais jouer un peu avec le bouclier. Alors c'est le bouclier qui est très lourd. Il fait 3. On a peut-être eu un bouclier un peu plus solide, non? Celui-là, il arrête pas tous les dégâts, malheureusement. C'est toujours mieux que rien. Est-ce que je suis toujours en... Non, je suis aussi lent. Ah oui, alors, oh putain, alors eux, ils sont très chiants. Eux, ils sont très chiants dans mes souvenirs. Putain, je peux pas m'approcher accroupi, mec. J'ai envie de le backstab. Ça ne marche pas. Mais non, mais respecte-moi, ne te soigne pas devant moi. S'il te plaît. Égide. Oh, il est beaucoup plus lourd, lui. C'est même pas la peine. Ah oui, leur épée, c'est une rapière, il me semble. Elle est pas dégueu. Armure de soldat carcasse. Comment tu vois... Alors, 23, 20... J'entends un bruit. Ah, mais c'est beaucoup plus lourd. C'est même pas la peine. C'est beaucoup plus lourd. Oh putain, j'ai vraiment pas assez d'endurance. Hein. Donc là, il y a des ennemis, là. Ouais, ça arrive. Ah. Allô, monsieur. J'ai tiré les... Oh, lui, il a un shield. Bien joué. Ah. Il est où? Il est là. Il veut se soigner, hein. Ah, fragment de titanite dans mes souvenirs, c'est pour améliorer les armes, ça c'est cool. Il y en a un autre dans mes souvenirs. Alors je me rappelle, j'étais passé là, et il y avait un mec qui me courait après, qui sortait de je sais pas où. Non? Je me rappelle, Je m'étais fait courser ici comme une merde. Oh là, ah oui. Ah, il y en a à droite. Ça y est, ça me revient. Ah, il y en a plein à droite. Oh putain, il m'a vu. Chier. Et là, il y a l'une des armes les plus cheatées dans mes souvenirs. La hallebarde. L'une des armes les plus cheatées pour moi. Je l'ai tellement utilisée, cette arme. Elle est tellement forte, cette arme. 110 de dégâts et c'est ultra rapide. Bon, alors là, j'ai pas assez de force et de dex. En fait, elle tape deux fois. Tu mets deux coups avec. Si je peux vous montrer, attendez. Pas. Ah oui, mais du coup, mais oui, je suis con. Même à deux mains, j'ai pas assez de dex. Bon, là, du coup, je suis dans la merde. Attends, monsieur. Attends. Attends, ça va bien se passer. La clé de la cave. Bon, on s'en sort plutôt bien. Bon, on est mort 3 fois, dont une fois comme une merde. On est mort 3 fois ou 2 fois, je sais plus. En tout cas, on a first try tous les boss pour le moment. Je me rappelle qu'il y a un feu de camp. Enfin, un site de grâce, n'est-ce pas? Sur la droite. T'es jamais mort. Bonne réponse, Caresse. Bonne réponse. Non, mais alors... Non, mais les gars, si on peut arrêter...
Alors. J'ai ultra instinct, mec. Là-bas, il y a un feu de camp. Il y a même le forgeron là-bas. Ah, mais cette ambiance, écoutez-moi ces petits oiseaux là. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté de chanter, ces cons. Ils me mettent dans l'embarras. On les entend pas. Ah, alors ça, c'est le... C'est un peu le bruit qui fait serrer. Le feu a été... Oh putain! Putain. Oh putain. La forteresse de Seine. Ah, oh, je suis pas pressé d'y être. Je suis pas pressé d'y être. Mais alors, vraiment pas. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh putain, mais mec, j'aurais peut-être dû garder quelques âmes, non? Ça me stresse, le bruit n'est pas en accord avec le mouvement. Il arrive un petit peu après. Ça me stresse. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Alors, renforcer une arme. Tu as besoin de quoi? La clé mort, il faudra quoi? Un fragment de titanite. Ah, on peut... Ah, attendez. On peut améliorer la clé mort. Il nous faut juste plus d'âmes. On peut améliorer la clé mort, messieurs dames. Ouais. On peut renforcer les armures aussi, j'ai vu. Ouh là là, d'accord. Au secours. Qu'est-ce que tu as? Tu as des fragments de titanite. Tu as des flèches. Ah, tu as l'épée bâtarde, effectivement. Elle est là, l'épée bâtarde. Bon, ok, il a des trucs intéressants. Trousse de forge d'armes. Ah, l'emblème d'Artoria, ça c'est important pour ouvrir la forêt, effectivement. Merci Seven pour le deuxième mois. Ouais, cool. Ouais, c'est ça. Dans mes souvenirs, il y a un gros mob là. Oh merde. Calme-toi. Dans mes souvenirs, il est assez vénère lui. Attends, reste tranquille. De la merde, on n'est pas plus rapide. À aucun moment on le tombe, je pense, lui. Allez. Allez. Viens te battre. J'ai échoué. Encore. Ok. Les dégâts du cochon. Oh, les dégâts du gars. Vous voyez midlife? Pourquoi pas? Oh bah oui. Non mais monsieur, oh. Monsieur l'arbitre, allez vous faire enculer. Allez, on récupère l'endurance. Y'a moyen en vrai. T'esquive. Bah y'a moyen en vrai là, non? Ouais. Aiguillon en titanite. Titanite de démon. Un gros PGM là, ça rigole plus. Merci pour le Prime. Emre 95TR. Oh écoutez, mais écoutez cette ambiance, s'il vous plaît.
que j'aime avec les petits bruits de criquets et tout là. C'est l'été. No fake. Tenez, révélation des coulisses des tests en carton. Vous êtes combien? Vous serez les 600 élus à le savoir. Pendant que je bossais le script de Dark Souls, je mettais ça en fond. Voilà. Et un beau jour, je me suis endormi dessus. Voilà. Vous savez tout. Attends, je suis en train de boire. C'est quoi cette merde là? Je suis en train de boire, mec. Non mais, On esquive, le coup de fouet, ouais bien joué, bien esquivé là, ouais. Ok, c'est pas grave. On est des grosses merdes. On a une touffe. Non mais écoutez cette ambiance. Ah, j'adorais bosser dessus. Pendant que je bossais, je mettais ça en fond. Voilà, c'est tout. Ça, j'en ai des bons souvenirs du test en carton de Dark Souls. J'ai vraiment kiffé le faire. Là-bas, t'as les marais avec l'hydre. Et surtout, il y a un gros chevalier noir là-bas. Je crois qu'il y a un feu aussi. Je suis con en fait. En fait, j'aurais dû me régène. J'ai été con. Oh putain! Ça, j'ai senti passer ça. Oh la portée de cette merde! Je vais me régène. Puis je vais avancer. La forêt qui reprend ses droits, exactement. Sachant que c'est pas du tout là qu'il faut aller, hein, je sais, mais... On pourrait peut-être se tester le papillon du clair de lune. En troisième boss. Il me fait de la peine, j'ai pas envie de le tuer, il est trop beau. Le papillon du clair de lune. Même sa musique est magnifique. Allez, je régène. Je monte à Dex. Ah mais là clairement, si on monte la force, on gagne beaucoup plus de force forcément, mais j'aurais besoin de la Dex pour de futures armes. Attendez, je vais me permettre un petit auto-backseat. Parce que moi mon arme, je veux que ce soit l'arme de Guts. La Great Sword. Qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir? Il faut 28 en force et 10 en dex. On l'a dans la forteresse de Seine. Je veux l'épée de Guts. Je sais même plus comment elle s'appelle. La pourfendeuse de dragon. Je ne sais plus. Honte à moi. On va monter la force. La Dragon Slayer, ouais, en anglais. Ouais, d'ailleurs, Berserk, ça m'attriste, mais j'ai bientôt fini. Je suis au tome 33, là. Je les ai dévorés. J'ai surkiffé. J'ai bientôt fini, enfin fini entre guillemets, vu que ça va reprendre. Mais je ne regrette pas d'avoir sauté le pas. Je me suis dit, je sais pas, un beau jour, j'ai toujours envie de lire. Là, c'est le moment. Elden Ring est sorti. Dans ma petite période Dark Souls. Et c'est masterclass. Je regarderai peut-être les animes. Même si de ce que j'ai compris les animes c'est niveau qualité, on est vraiment pas au niveau du manga. Je garderai au moins l'ancien qui date des années 90 je crois. J'ai tous les tomes, meilleur manga ever pour moi. Franchement, Berserk, moi, gros coup de cœur. Moi, c'est mes lacunes. De toute façon, je suis pas très cultivé en termes de manga et d'anime. J'en connais que 5 ou 6. Putain, mais je peux pas parler à mes viewers. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le moonwalk. Et dès que j'aurai fini Berserk, je pense que je me mettrai à Slam Dunk. J'ai toujours voulu lire aussi.
Ah ouais, hein. On a des goûts par ici, hein. On a des goûts. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? J'ai des bugs. Ah, j'ai un input lag. Ça m'a fait appuyer deux fois sur rond, les gars. J'ai l'input lag. Allô? Ça a bugué. Attendez. Je regarde. Ouais, ça bug un petit peu, là. Ah, j'ai des interférences. Ok, ça devrait être bon. Ça laguait. Ah, c'est con, ça. Hein. C'est vraiment dommage que ça fait ça. Hein. C'est vraiment dommage. Les animés, c'est juste top tier. Si tu as quelqu'un pour t'introduire dedans. Bah, je les regarderai quoi qu'il arrive, de toute façon. Je regarderai quoi qu'il arrive. Mais j'ai bientôt fini. Par contre, je préférais largement la... Le... Comment dire? Et j'aime beaucoup l'arc actuel où je suis là, le tome 33. Mais je pense que je préférais un peu quand c'était un peu plus dark. Je sais pas comment dire. Pas seulement l'arc de l'âge d'or, hein, mais même juste après, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est toujours masterclass pour moi. Tu sais, au début, j'avais peur que Guts, qui se fait accompagner d'autres gens, ça casse un peu le délire, mais non. Au contraire, c'est très cool. Oh! C'est quoi, ça, déjà? Titanic, ça... Oh, ça, c'est beau, ça. Je viens de finir Dark Souls 3 pour la deuxième fois, plus les DLC. Et quand je te revois jouer au 1, ça me fait trop bizarre, surtout à cause de la lourdeur du gameplay, mais aussi les graphismes. C'est dingue la différence que tu peux ressentir alors que ce sont des jeux pareils. J'ai vu un peu Dark Souls 3, ça a l'air un peu plus agile, ouais. Ça a l'air moins rigide. Dark Souls 3 qu'on fera également, cela va de soi. Alors là, il y a un ennemi dans mes souvenirs. Il y a un enfoiré là. Ok, très bien, super, il est où? Je sais qu'il y a un mec là. Dans mes souvenirs, il y a un mec. Alors, il est plus bas peut-être. Je suis sûr qu'il y a un chevalier. Hein. Dans mes souvenirs, il y a un chevalier. Ouais. Alors, c'est un sacré bordel. Je pense qu'il est là-bas. Là-bas, il y a l'hydre. Ça sert à rien d'aller là-bas maintenant, on va crever, c'est tout ce qu'on va gagner. Là-bas, il y a la porte d'Avel. Je peux peut-être tester de prendre les... Ah ouais, il y a les golems de glace et tout, là. Sachant que dans mes souvenirs, tu peux te servir des attaques de l'hydre pour tabasser les golems de glace. Mais l'hydre, on la tombe pas tout de suite. Alors, est-ce que je te tombe, toi? Je suis pas sûr. Si, on fait des dégâts, quand même. Ah non, non, je t'ai senti. Putain, le cri... Son cri quand il se fait toucher, c'est énorme. Ok, bon. On va au moins ouvrir la porte. Effectivement, il ressemble au Pokémon Régis. Effectivement. Bon, là, il y a Avel. Il va nous déchiqueter la gueule dès qu'on va rentrer. Mais lui, il faudra qu'on le bute, parce qu'il a un anneau mais tellement fumé, c'est indispensable. Allez.
Bonjour. Il veut me prank. Ah, oh, il est caché. On t'a pas vu, frère. Je t'assure. Oh, putain, mais regardez. Ah, mais tu sors là, toi. Ah, le con. Je suis dans les escaliers magiques, ma gueule. Allez, je continue à descendre. Il est con. Ouais, il me faudra vraiment l'anneau de Havel, parce que dans mes souvenirs, il est ultra fumé. Ça te permet en gros de porter tout ce que tu veux. Ah, oh putain. Je me suis chié dessus. Et puis après, on se testera le papillon du clair de lune. Là, tout va bien. On assure. Et puis, va arriver le démon Capra. Les gargouilles. Le hameau du crépuscule. Là, on a fait deux boss, on les a tous les deux first try, mais je peux te dire qu'on va bientôt gagner. Oh putain. Oh putain, il a une hallebarde. Il a une hallebarde. Ok, on va tester, c'est pas grave, on va tester. Allez, viens te battre. Oh les dé... Oh. Ah, dis donc, monsieur les... Ah. Il m'a suivi. Ah. Il m'a suivi, le con. Ah mais c'était une technique les gars, c'était pour avoir les runes et son arme. C'était calculé. Ah, il m'a fait dropper un truc de malade. Il s'est dit non, demeure pas tout seul. Il nous a fait dropper une hallebarde de chevalier noir. En plus, ça a l'air fumé, quoi. Ah, c'est dur, Fabio. Allez, allez. C'est quoi qu'il faut pour ça? 32 en force, 18 en dex. Ah, ça va, on se fait pas chier, hein. Aiguille en titanite, on a eu ça aussi. Ah, attendez, ça fait des dégâts magiques. Merde, il faut 14 en dex. Ah, bah attendez, ça a l'air stylé, ça. Ah, mais non, mais si je joue pas intelligence... A voir comment ça scale. C'est considéré comme quoi ça? Voilà, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le gameplay. Oh! Bon. Écoutez, on testera. On testera, c'est pas grave. On va rester sur la clé mort. Valeur sûre. C'est assez cocasse. Bon, par contre, il faut récupérer nos runes. Hein. Pas faire les cons. Si on meurt, on perd tout. Faut pas faire les cons. Mais c'était assez cocasse, il s'est dit allez, on va mourir ensemble. Bon mais en tout cas c'était calculé les gars en fait, hein. J'ai fait exprès de me suicider, comme ça il me suit, mais on perd pas de temps. Voilà, et on enchaîne. Oui oui oui. Allez, viens te battre. Encore une touffe. Putain, c'est vraiment ma zone préférée, ça, le jardin de Warsouche. Avec le... comment il... Oh. Ok, ça va, il y avait le chemin juste en dessous, je vais chier dessus. Avec... comment il s'appelle... Je peux pas voir la carte. Non, il n'y a pas de carte. Hein. L'endroit où il y a Sif. C'est l'endroit où il y a Sif, mon endroit préféré. Je sais plus comment il s'appelle. C'est les bois de Warsouche, je crois. Alors là, les gars, il s'agirait de pas faire les cons, parce que si on perd nos runes, ça va chier. Ça va chier. Où est-ce qu'elles sont? Ah, elles sont là. Eh ouais, c'est pas comme sur Elden Ring, hein. Y'a pas de boussole là-haut qui t'indique où elles sont, hein. Moi, de mon temps... Vous avez récupéré sujet, verbe, complément. Vous avez vaincu. Ok, là il y a un petit feu. Je ne sais plus où ça mène.
Le feu a été allumé. Avec les morts, ça valent encore la résistance. Vous avez mouru. Exactement. Ça emmène où, ça? Je me rappelle plus. C'est pas là où il y a les dragons électriques, là? Qui cassent les couilles. Ah, mais attendez, on aurait dû mettre ça. Hein. Okay. Allez. Ah, c'est la vallée des Drake. Ah, il y a des souvenirs qui reviennent. Je déteste cette zone. Je la hais. On n'a pas du tout le level pour y être. Ah ouais, j'aime pas cette zone. Je la déteste. Je déteste cette zone. Est-ce qu'on peut essayer de s'en faire un pour le fun? Ok. Je lui ai rien enlevé. Allez. C'était cool. Je lui ai littéralement rien enlevé. Allez, c'était très cool. Merci d'être passé. Allez. On me le banne. Fabio qui a eu oublié sa crème anti-ride, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais à mon avis là, je suis pas docteur, hein, je suis pas pro, mais vu sa gueule, il doit avoir 2-3 cancers. Alors... continuons à descendre, qu'est-ce qu'il y a déjà? Ah non mais en fait c'est le maximum ici. Tu peux pas aller plus bas. Ça s'arrête ici. Ah, ça c'est un bon bouclier. Je me rappelle, j'ai fait toute ma première run avec celui-là. Déjà il est aussi lourd, mais surtout... l'emblème végétal est légèrement imprégné de magie qui accélère un peu la récupération d'endurance. Ça c'est très bien. Alors la question est-ce que ça fait effet même si je l'équipe pas? Ça fait effet même si je l'équipe pas. Ça c'est très très bien. J'aime beaucoup ce shield. En plus, il est beau. Il est très beau. Ah. Végétal, on vous dit. Végétal. Ah non, les gars, il n'y a pas de téléportation de feu en feu. Enfin, hormis entre certains. Je crois que ça sera dans la deuxième partie du jeu à partir d'un Orlando. On débloque ça. Par contre, il me faudrait peut-être une autre armure, moi. Dans mes souvenirs, là où il y a les gros géants de pierre sur le chemin du papillon de lumière, putain, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des équipements intéressants, notamment celui avec lequel j'ai fait une grande partie de mon aventure. Donc on va voir. Voilà, c'est l'éco-bouclier. L'éco-clier, ouais. Fabio, Fabio. Allez, ça dégage. Par contre, j'ai beaucoup de runes là. Alors, je crois qu'il y a... voilà. Alors, cet objet, figurez-vous, je n'ai jamais su comment le récupérer. En haut à gauche là. Ah, regardez, regardez, regardez. On me la fait pas, moi. On me la fait pas, moi. Ah là, et merde, je me fais quand même fouetter la gueule. Viens te battre. C'est quand même très bizarre ces bruits, Fabio. C'est très très étrange. Il est en train de me bouffer. Il m'a croqué le crâne. Fabio a eu l'air d'apprécier. On est gagnant. Bon. Très bien. C'était cool. Merci pour les travaux. Allez, on lâche rien, on continue. C'est pas grave. Fabio a eu l'air d'apprécier.
n'est pas prêt d'y être, hein, au papillon de lumière. Putain, mais faut vraiment arrêter. Hein. Ah, Cindy Sanders sort de mon esprit. Alors, mieux vaut faire le 3 et le 1 avant le 2. Vous parlez de quoi, des Souls? Bah, moi, de toute façon, je vous confirme que je fais le 2 avant le 3. Hein. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit de passer au 3 direct, mais moi, ça m'intrigue davantage pour faire le 2. Il y a plein de gens qui me disent, t'inquiète, t'as pas besoin de faire le 2. Mais si, on va le faire. On va galérer. On va se faire chier dessus, je sais que c'est le plus frustrant, apparemment. On n'a pas de rune. On l'a fait tomber, on n'a pas de rune. Putain. DS2 est incroyable. Juste les boss sont poubelles. On verra bien. Bon alors attention à lui. Hein. Ah mais Fabio, fais l'attaque sauter. Ok, il est nul, il est aussi nul que nous. Allez. Lâche-moi. Alors vous voyez, j'ai jamais su comment atteindre cet endroit là. Je vois qu'il y a un chemin par là. Mais... je ne sais pas. Faut se balader. Ouais, c'est ce qui me semblait, ouais. Je suis un PGM. Mon instinct de joueur me dit que je dois taper ici. Ça va révéler quelque chose. Oh là là! Je ne le savais même pas. Mon instinct de joueur est trop puissant. Ah les gars, vous ne méritez pas. Hein. Franchement, il y a un tel niveau sur ce stream. Et là derrière, il y a mon environnement préféré. Et il faudra le mécanisme vendu par le forgeron. Très bien. Allez, farmons encore un peu. Pour passer un level. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oh, il s'est arrêté. Oh le chien, il s'est arrêté de courir. Par contre, c'est moi ou il y a une sorte de jauge de déséquilibre? Un peu à l'instar d'Elden Ring, parce que tout à l'heure, le gros mob là, avec sa lance, je lui mettais des grosses patates et à un moment, il était sonné. J'ai entendu une grenouille. Ouais, il y a une jauge de déséquilibre. En quelque sorte. Ok. Allez, je vais up et on va se faire peut-être le papillon. Quoique non. Je sais pas, parce qu'il y a pas mal de mobs sur sa route. Parce qu'il y a beaucoup d'armes que je voudrais tester qui ont besoin de dex. Tiens, à chaque fois que je trouve comme ça, j'ai en tête pour Frodon. Que trépasse si je faiblis. Ça là, c'est quoi cette merde là? Putain, j'ai joué 50 heures au jeu et j'ai jamais vu cette merde, je m'en rappelle pas. Oh putain, mais t'es encore. Il est encore là lui. Est-ce que les attaques chargées? Non, c'est pas comme dans Elden Ring.
Alors, je vous avoue qu'il y a un mouvement. Saute, on verra. Ah ouais ? Ok. C'est le gars. Ah, j'ai envie, là. Oh, j'ai envie. Il y a un mouvement qui me manque par rapport à Elden Ring. C'est le saut. Je suis toujours tenté de sauter, des fois. Eh oui, les gars. C'est quand on appuie les choses qu'on se rend compte de la chance qu'on avait de les avoir. Eh oui. Ça fait réfléchir, à bon entendeur. Le second degré n'est pas qu'une température. Bonjour monsieur. Eh, ça touche pas. Eh ouais, ouais, hein. Ça touche pas. Hein. Ah, j'ai pas de chat. Hein. Allez. Le papillon du clair de lune est demandé à l'accueil. Sauf que vous êtes en train de retourner en arrière. Bien joué. Vous êtes le meilleur. C'est marrant, mais je me rappelle plus... du chemin. Je suppose que c'est par là. À moins qu'il faille forcément le mécanisme. Mais dans mes souvenirs, le mécanisme ne fait que t'ouvrir la porte vers le... Le bois de Narsou... Oh putain, le bois de Noirsouche. Et ça, c'est un Metroidvania. Bah, figure-toi qu'il y en a qui considèrent que c'est un Metroidvania. Et a raison, hein, je les comprends. Ah, bah, c'est là-bas. En fait, il a tout du Metroidvania, Dark Souls. Le backtracking, les zones interconnectées. Mais la composante RPG. Un monde organique. Le seul truc qu'il a pas pour moi, c'est que tu ne déverrouilles pas les nouvelles zones avec des vraies capacités. Pour que je puisse le considérer à 100% comme un Metroidvania, mais encore une fois, on en avait parlé pendant 10 minutes. La définition du Metroidvania varie d'un individu à un autre, n'est-ce pas? Ah! Ça ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien, tu vas disparaître, voilà, ça ne sert à rien, merci. Alors, eux, ils sont chauds. Comment je peux te frapper ta gueule, toi? J'ai échoué. Et merde. Ah, c'est pas cool. Ah! Je ne m'y attendais pas. Fais long. Non, non, non. Oh putain, il a voulu me faire un bisou. Arrête. Fabio, il faut que t'arrêtes de faire ce genre de bruit quand il te fouette parce que là... Ça appuie là. Calme-toi. Ok. Oh là là, j'aime tellement cette zone là. C'est tellement, tellement beau. Alors les géants de pierre, je ne sais plus si on les bute. Est-ce qu'on les tombe? Ah, elle est là-bas l'armure que j'aime bien. Ah. J'ai bien joué. Ah. Très bien. Ok, bon. On va tourner, hein. On... Voilà. Ok, j'ai un peu sonné là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais plus. Ah, il me fait un heal. Oh, 600! 600, mon cochon, bah dis donc. Dans le cul! Ah, attendez, il y a un truc là. It's a trap! Non, mais monsieur l'arbitre, j'ai esquivé! Non, mais attendez là! Alors là, dans mes souvenirs, il y a des saloperies de serpents là. Regardez-moi ça, regardez-moi ces enfoirés là. Allez, meurs!
Allez, ça dégage. Oh, ils sont pas morts. Oh, les chiens de la casse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est dégueulasse. Ok. Y a-t-il d'autres géants de pierre? Ah mais là y a un géant de pierre, mais y a des chiennes aussi là. Regardez. Ça je reconnais, ça c'est des grosses chiennes. Allez, et de une. Ah mais je suis ralenti. À l'aide. J'étais ralenti, monsieur l'arbitre. Donc c'est donc ça que fait le Nihil de ce géant en pierre. D'accord, très bien. C'est noté. À l'aide. Aidez-moi. C'est donc ça que fait que font ces petits rayons jaunes. Très bien, c'est noté. Je prends note. Ah, tu veux te battre? Oh! Alors pousse, attendez, j'ai des runes là. Alors attendez, c'est important là. Calmez-vous. Oh la portée du truc! Oh non. Je suis gouré de. Touche. Tu prends, merci. Là on a beaucoup de touffe. C'est bien. Bon, mes runes sont là-bas. Je pense qu'on va les passer de façon ces géants. Hein. On va les passer. Ah, ça c'est bien ça. On va garder la pêche. On a récupéré. Alors attendez, pousse. C'est là que j'ai senti. Pousse, attendez. Ah! Ouais, c'est pas grave, allez. Oh merde! Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah! Ça c'est vraiment dégueulasse. Oh! Dis donc. Bon, à mon avis on va pas le faire strike. Oh, les dégâts, j'ai plus de popo. J'ai plus de popo, les gars. Allez, pose-toi, ose te poser. Viens te battre. Il me fait quand même mal, hein. Ok, t'as gagné. J'ai plus de fioles d'estus. Je suis dans la merde. Alors là, mec, je suis dans la merde. Putain, j'aurais pu le first. Ok, let's go. Allez. C'est la merde. On a vraiment enlevé que ça comme dégâts là? Qu'est-ce qu'il fait? Tu me taquines, c'est ça? On lui a rien enlevé. Que dalle. Et dans mes souvenirs, il fait un gros rayon vert aussi. Et je vois pas comment l'éviter. Ah, c'est un peu chiant, je prends des dégâts.
très très belle musique. Voilà, c'est ça. Allez, l'esquive. Ok. Ça c'est dommage parce qu'on gère bien, mais... On lui enlève rien. On lui enlève rien du tout. Eh vas-y, descends, descends. Je prends des dégâts, hein. C'est ça qui va nous tuer. C'est dommage qu'on ait plus de fioles d'estus. On y a été comme des cons avec deux fioles. C'est un peu dommage. Tu viens? Ah, il va me faire tilt, hein. Il va me faire tilt. J'hésite à crever. J'hésite à crever parce qu'à mon avis on va pas le finir là. Quoique. Il est bientôt midlife. Allez viens là, viens me battre. Ouais, je prends des dégâts avec ce truc. J'aurais dû prendre un shield qui protège des dégâts magiques. My bad. Mon mauvais. Ouais, je vais me tuer. À mon avis, je le tuerai pas là. Tiens, mon boss préféré. C'est faux. Ah, toi aussi? Bon, en tout cas, la musique est cool. Ok, bon, là, on a esquivé le coup. Des très bons patterns. J'aime beaucoup. Allez. Est-ce qu'il y a moyen de te mettre midlife? Là, on lui a mis cher là. En vrai. On lui a mis pas mal cher là. Bon, on a plus de vie. Mais c'est pas grave. On va mourir. Hein. On est parti pour crever. Hein. Oh, l'esquive. Ah, y a du skill. Le skill va-t-il l'emporter face à la fatalité? Allez, descends, descends, mec. Viens te battre. Bon, on va pouvoir recommencer avec des fioles d'esprit, c'est pas grave. Merci au Killife pour le troisième mois. On va pouvoir recommencer. De toute façon, j'hésitais à me suicider en vrai. Hein. À mon avis, on n'était pas parti pour réussir. On va retester avec 5 fioles d'estus au lieu de 2. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça sera peut-être mieux. Ce boss est ultra chiant, mais super beau. Je suis d'accord. Il est très beau. Enfin, tout le monde veut mon cul. Tout le monde veut mon cul. Putain, c'est chiant, on aurait pu first try. Je crois que c'est le premier boss que j'avais first try lors de ma première run. Non, je dis des conneries, j'avais first try le boss du refuge. Mais celui-là, je m'en rappelle très bien, j'avais first try. Bon allez, retestons.
Eh mec, je reviens avec des fioles d'Estus là. Viens te battre. On a First Strike à trois rois, effectivement. À partir de là, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'on peut faire un perfect no hit? En tout cas, la musique est très belle. Sûrement une femme qui a marché sur un Lego, ça. Allez, descends, mec, je te jure. Descends, Manu. Merci. Allez, on y va. Toujours pas ? Putain. Mais il est insupportable. Allez, on y va. Dans ta gueule. Ça va être très long. Mais on va y arriver. On est en no-hit. Bienvenue sur ce stream pour ceux qui viennent d'arriver. On n'est pas encore mort. On essaye une run Dark Souls no-hit. On n'a pas été touché encore depuis le début du jeu. Ta mère. Alors, merci à tous d'être venus. Au moment où je le dis. Oh mais les dégâts. Ah j'aime pas cette attaque. Il la spam hein. Il la spam le petit chien. Faut que je m'éloigne de lui je pense. Ah, il spam toujours la même attaque. Allez, on y va, mes mères, allez. Allez. On est reparti pour un petit tour. Meilleur stream de tous les temps. Alors moi l'avantage c'est qu'on aura pas mal de runes dès le début. Eh ton attaque elle est insupportable. J'aurais dû prendre un bouclier magie. Après si je m'éloigne vraiment de lui il y a moyen. Tu vois, j'ai encore la place là. Ouais. Cette attaque elle est horrible. C'est qu'on est même pas assuré de gagner en vrai là. Je me demande si en évitant le premier coup, on évite forcément le deuxième, je suis pas sûr. Ça a l'air. Oh j'ai de la chape. Allez, on est reparti. Peut-être midlife. Attendez, il se régène ? Il se régène, le chien de la casse ! Ah, il a arrêté de se régène, c'est bon. Mais je viens de voir qu'il se régène quand il est par terre. C'est peut-être le boss le plus simple qu'on ait fait jusqu'à maintenant, et paradoxalement plus long. Ça c'est nouveau ça. Ça c'est nouveau. Ah merde. Bah dis donc Insupportable. Si on n'y arrive pas on passera à autre chose. Et puis on passera des levels.
et on viendra lui casser la gueule. J'ai bientôt plus de fioles. On a dit celle-là, là, c'est pas la bonne. Hein. C'est pas la bonne. Allez, ne lâche rien. Allez, on va jouer avec le décor. Eh merde, au moment où j'y sais, il passe de l'autre côté. Oh, le chien de la casse! Allez, pose-toi! Sois un vrai petit papillon, pose-toi! Viens te battre! Je prends pas de risque. Je pense que j'allais mourir là. Allez, si on résiste cette séance là, on gagne. Plus dur que Malenia. Ah, c'est intense hein. Oh non. Oh putain, c'est la loose. Bon, tant pis, je vais essayer. Allez, j'enchaîne, je vais faire un autre boss. Je vais pas vous imposer ça, on reviendra quand on sera plus haut level. C'est pas grave. Je vais continuer ma route ailleurs. Là, tu passes du first try au 3 try. Si ça, c'est pas triste. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé les faire avant. Enfin, le faire avant les gargouilles. Sinon, il y a une autre technique. Il y a autre chose qu'on peut faire en fait. On est con. Attendez. Il y a autre chose qu'on peut faire. On va tout simplement jouer avec, avec ça, l'épée à deux mains. On peut quand même se protéger avec. Ouais, on va jouer comme ça en vrai. Ça me fait chier en fait de partir sur une défaite. Non, ça me fait chier. On va vivre ça ensemble, on va souffrir ensemble, je m'en bats les couilles. Troisième essai, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Je vais essayer avec cette épée là. Après tout, on n'a rien à perdre, hein. Je peux me protéger avec. Putain, c'est vraiment dommage, quoi. Il est si simple. J'ai pas un shield qui arrête la magie à 100%. Je vais peut-être tester ça aussi. Non, mais pas besoin d'un arc, les gars. Vous êtes sérieux? Allons. Qu'est-ce que vous me chantez là? Putain, ils me suivent. Non, j'ai rien. Alors, on va tester avec cette épée là. On fera plus de dégâts, clairement.
viens te battre. Mais il est nul en plus, hein. Ça fout les boules. Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais qu'est-ce qu'il... Quoi, c'est l'équivalent du tea bag chez les papillons, c'est ça ? Tu me taquines ? Ok, allez. Pose-toi, on va tester. Enfin, on va tester, normalement je fais plus de dégâts. Ah, ça fait du bien ça. Par contre, voilà l'endurance que ça me coûte. Hein. Voilà l'endurance que ça me coûte. Le taunt du papillon est une technique ancestrale des Dark Souls. J'avais cru comprendre, ouais. C'est pas très gentil. Ah, eh, ça me casse les couilles. Hein. Cette attaque-là... Ah, ça me touche. Et merde. La voix de cette dame est très jolie, mais ça commence à me faire serrer là. Allez, on y va. Pas une bonne idée cette épée parce que elle me nique mon endurance, genre vraiment, de vraiment beaucoup. C'est peut-être pas une bonne idée. Sinon il y a la résine de pain doré, mais j'aimerais la garder pour des boss vraiment durs. Allez, descends mec, s'il te plaît. On t'attend tous là. On t'adore, hein, t'es super beau, ta musique est géniale, mais tu nous fais tous chier là. Je te le dis, t'es très très chiant. Allez. Allez, descends. Oh, mais t'es sérieux? Et là on a mis pas mal. On a mis pas mal cher. Oh sérieusement monsieur l'arbitre. Je me demande vraiment comment marche son IA, genre. Il décide de se poser quand ? Tu l'as fait assez d'attaques ou... Quoi ? Il le fait deux fois ça maintenant ce chien.
J'aurais peut-être pu mettre un dernier coup là. Bah de toute façon, prochain essai, je lui mets tout. Hein. Tant pis si je crève. Je lui mets clairement tout. Non mais alors ce coup mec, faut m'expliquer. Hein. Vraiment. Bon, j'aurais essayé, je vais passer à autre chose. C'est pas grave, on va passer à un autre boss. Oh, je vais tomber tiré, oui. Oh. On va remonter à la surface. Ouais, je suis bien d'accord, c'est de la bonne merde. Merci pour le Prime, Ghostshell. Ouais, je fais ce que j'ai pu. Je reviendrai avec une autre arme. Mais clairement, je vous confirme que l'épée à deux mains, c'est aussi bien que la clé mort, hein, sur ce boss, vu que pour le coup, on n'a pas beaucoup d'endurance. Et ça peut valoir le coup de revenir ici. Quand on aura effectivement plus d'endu. Allez, c'est pas grave. On va faire un autre truc. Je vais remonter à la surface. Non, c'est juste un let's play standard, je pense. On se détend, entre guillemets, sur Dark Souls. C'est comme affronter un Pokémon de merde, mais qui est au level. Un peu, ouais, c'est tout comme. Quelque sorte. Et du coup, le prochain boss, c'est quoi? C'est le démon Capra ou c'est les gargouilles? Je sais plus. Parce que les gargouilles, c'est encore plus galère que le papillon. Ah merde, attends, mais je pouvais augmenter la clé mort. Ouais. Allez, on a la clé mort plus 1. C'est déjà ça. On se retestera le papillon peut-être tout à l'heure, mais là je vais faire un petit peu autre chose. La forteresse de Seine où il y a le chevalier oignon. Un écrémeux spécial. Fais-tu référence à l'écrémeux qui spamme les roulades? Ah, après les gars, c'est Dark Souls. Hein. Galérer contre un boss, c'est normal. Réponds. Mais pas avant. Forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeyer of Katarina, quite honestly. Or a gate, I should, no matter how long I wait. So, here I sit, weighing my options. Ouais, dans mes souvenirs, il faut lui reparler à d'autres endroits de la map. Still closed. Still closed. Ouais. Ouais. Non, on est au début du jeu là, on n'a pas encore passé les gargouilles, on a fait que deux boss. Et on va continuer à avancer un petit peu. Je crois que c'est les gargouilles, les prochains boss. Donc, autant dire que je veux d'abord faire le papillon avant les gargouilles, ça c'est clair et net. On passera 2 heures ou 3, j'en sais rien, mais on fera le papillon. Après c'est un Dark Souls, hein. 70% du gameplay c'est les boss. Hein. Tellement galère certains. Et je crois le papillon du clair de lune, je crois que je l'ai first try parce que je l'avais découvert plus tard dans mes souvenirs. Meurs. Yop les gens, je vous ai manqué. Non pas du tout. Non ça va, t'inquiète. Qu'il est méchant, putain. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, les équipements. Alors, est-ce qu'on est lourd là? Oh,
Mais c'est pas le Fatrol, ça, on est d'accord. Non, non, le Fatrol, c'est plus lent. Là, par contre, on va passer au Fatrol. Ah non, mais attendez. Ah, y en a qui disent que c'est du Fatrol. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. C'est ce qui me semblait, c'est du Fatrol. Et bah, c'est chiant. C'est très très chiant. Où est-ce qu'on voit le poids? Peut-être ici. Poids équipé 28 sur 58. Ça m'a pas l'air d'être Fatrol, les gars. Moi, c'est du midroll. Hein. Fatrol, dans mes souvenirs, c'est pire. Vraiment pire. Voilà, ça c'est le Fatrol, voilà. Dégueulasse. Immonde. Ouais, je vais m'arranger pour l'enlever. Ça m'a l'air d'être du mid-roll. Bon, après on est quand même moins rapide que tout à l'heure quand on avait essayé d'enlever le shield. Oh putain. Oh putain. Oh la vache. Le mec il first-strike tout le monde mais il arrive pas à faire ça le papy qui nous tue de lune. Quelle honte. Allez. Fine. C'est pas non plus le boss le plus... Ah. J'étais vexé, c'est ça? T'es énervé. Oh oui, t'es énervé. Oh le chien. Fragment de titanite. Le pire, c'est qu'avec notre nouvel équipement, ça se trouve, on le baise le papillon du clair de lune. On essaiera. Ah, et c'est ça qu'on doit donner à la gardienne du feu, à l'Ichefeu, pour avoir de meilleurs popos. J'entends des bruits de pas. J'ai entendu des bruits de pas. Ah, mais lui, il va me casser les couilles en haut, je m'en rappelle. Là-bas, c'est pour rejoindre l'Ichefeu. Bah tiens, on va aller donner notre popo. Un papillon du clair de lune, je le garde pour la fin du live. On le baise. Merci pour les furieux pour le prime. On va le baiser, les gars. Pour vous. Et je vous avoue en plus que je me sens un peu honteux parce que ce boss, c'est vraiment genre... Enfin, lors de ma première run, pour moi, j'avais trouvé que c'était le boss le plus simple de toute ma run. Donc ça me fait rire. Mais d'un autre côté, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous voyez, Leonidas, il aurait réussi, lui. Lui, il aurait pas attendu que le papillon il se pose. Il aurait sauté. Il lui aurait cassé la gueule et il lui aurait arraché les ailes. C'est ça, la vérité. Ah oui, alors toi, je me... Oh putain, eh, change de coiffeur. Hein. Hello there. I believe we are... I am Petrus of Thurland. Et de nom aussi. If not, I prefer to keep a distance. Oh, j'ai envie de te taper. Oh, j'ai envie de te tuer. Hello there. I realize that I have requested, but I also want you to know that it is not here. Take the no. Merci, mec. T'as encore la thune? Oh my. Oh, I have to await my comp. So what if I were to teach you some miracle? Would that? Pourquoi pas? Very well. Renoncer à ce serment, à celui-ci. Voix immaculée. Non mais attendez, hey mec, je suis déjà avec Solaire, moi. Non mais attends. T'es un fou, toi. Ouais, ouais. D'ailleurs, je me rappelle, lui, on va le revoir dans... à l'endroit où il fait noir. Je suis un homme marié, enfin. Là, je ne mange pas ce pas-là. Qu'est-ce qu'on est lent, mec. Je crois qu'il y a 4 rôles différents. Hein. Il y a celui-là. Le fat roll qui est en dessous. Le. Oh. Oh, c'est donc ça. Ouais. Dealer Fabio, ouais.
C'est pour vous, mes fans. Je teste, hein. Ah, ça c'est pour dire bonjour. On mange pas de ce pain là, on n'est pas poli, nous. Ça certainement pas, non. Nous on donne pas de cul aux gens. Non. Ça c'est pas utile. Ça c'est bien, ça c'est enjoué. Ça c'est enjoué. Ça c'est jovial, ça c'est nous. Ça c'est nous ressemble. C'est très très bien. Allez. Allons chercher la petite sorcière. Oh putain, mais attendez. Là j'ai 10 fioles des sus. Oh, je vais l'enculer. Oh, le papillon du clair de lune, je vais l'enculer. Je vais le taper. On descend. Oh, je vais le tabasser. Pas de réponse, elle ne parle pas. Merci. Moi, quand je parle, j'aime qu'on me réponde. Donc, tu vas répondre. Allez, c'est bon. J'aurais essayé. Merci pour le sub, Yoshiva. Moi, je suis d'avis à ce qu'on retourne directement au papillon du clair de lune. Je vais lui casser sa gueule. Si je retrouve mon chemin. On va lui casser sa gueule. Oh, j'ai envie. À 10 fioles des sus, mec, je vais tout faire pour lui casser la gueule. Allez, bon level design, on connaît. Emmène-moi, que diable. Je veux casser du papillon. Ah, je vais lui casser sa gueule. C'est bon là, ça suffit. Putain, c'est futuriste ici quand même, hein. C'est cosy. Oui, d'accord, ok. Allez. On va le first try. Putain, j'arrive pas à croire que j'ai first try les deux premiers boss, mais celui-ci, le plus pourri de tous pour moi, on galère. Enfin, on galère, non. Il triche. Il joue magie, les gars. Arrêtez un peu, hein. Moi, j'ai qu'une épée. Et lui, il joue à distance. Et un peu de décence. Ça va. Allez. Il est où? T'es là-bas, toi. Allez. Et j'ai limite envie d'utiliser une résine de pain doré. Je vais lui casser la gueule. Il joue magie. Oh putain. Attendez, les gars, j'aimerais vous répondre, mais là. Allez. Allez. Puis ça va nous permettre de récupérer nos runes aussi. Enfin, nos âmes, excusez-moi. Pardon. Ça ne rigole plus. Oh merde. En plus, ce type faible est le plus faible, tu exagères. Ah non, les gars, non. Non, ça sent le papillusion, ça sent le double type insecte poison, là. Ah non, me la fais pas, moi. Ça sent le Dardanian, Papinox et toutes ces merdes, là. Allez. Croyez en moi, les gars. On va y arriver. Putain, ça a first strike 4 rois. Ça bute ma lignée en 1v1.
pas foutu de buter un papillon. Quelle honte! Allez, c'est la bonne! C'est la bonne! Allez! Viens te battre! J'ai 10 fioles d'estus, mon gars! 10! Dark Souls, c'est ça, c'est un apprentissage constant! C'est normal qu'on perde! C'est tout à fait normal! On apprend les patterns! Ce boss est le plus dur de tous, vraiment! Je m'en bats les couilles de l'épée à deux mains. La clé mort, c'est très bien, je m'en bats les couilles. Arrête avec cette attaque, s'il te plaît. C'est pas cool. T'es pas gentil. T'es vraiment pas gentil. Viens me battre. Descends. Descends, Manu. Manu, tu descends? Viens te battre. Ça triche, hein. Je suis désolé, mais il y a de la triche. Il y a une sacrée triche. Encore un petit coup? Ouais, on n'a pas beaucoup enlevé en vrai. Je pense que je vais reprendre l'autre. Ah bah du coup, j'ai pas pu. Ah, oh, je suis en fatrol. Je suis en fatrol. Bon, c'est pas grave. Non mais descends, mec, s'il te plaît. On va y arriver. Moi je lâche rien. Moi. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ah, je vois que tu... J'aurais pu mettre un dernier coup, je pense. J'aurais pu mettre un dernier coup, clairement. C'est pas grave. On a essayé. Je suis en train de convulser, là. Attention à sa grosse bombe, là, de tout à l'heure. C'est ce qui m'a posé souci. Tout peut basculer. Ah, la boss, la zone est assez étroite, ouais. C'est ce qui fait aussi l'originalité du boss. C'est son combat, hein. C'est pas le meilleur des combats, mais... Au moins, on pourra pas dire qu'il ressemble à un autre. C'est sûr. Allez, mec. Allez, descends, s'il te plaît, frère. Semble bien parti. Allez, ça semble bien parti. 9 fioles d'estus. Le truc, c'est qu'il va pas falloir se prendre les grosses attaques. Sinon, on est dans la merde. Très belle musique en tout cas, j'aime beaucoup. En plus on l'entend que depuis une minute, donc on n'est pas lassé. C'est mon premier try sur ce boss, vous le savez.
Pose-toi. Oh non, pas ça. Ok, la petite esquive. C'est marrant, mais dans ma première run, je me rappelais pas que... Et merde. C'est pas grave, Fabio, c'est pas grave. T'inquiète. C'est pas grave, c'est pas perdu, Fabio, t'inquiète. On a mal joué, mais t'inquiète, c'est pas perdu. Allez, c'est pas grave. Encore un coup et on le bute. C'est pas grave. Allez. On lâche rien. Putain, mais il est nul ce boss en plus. Il est nul. Il est pas ouf, il est pas fort. Fabio. Allez. Allez, Fabio. Le monde croit en toi. Pose-toi. Et merde. Ah, il va se poser là, il va se poser. Il va se poser, et non. On esquive ? Alléluia ! Après, c'est un bon boss pour t'entraîner aux esquives, l'air de rien. Pour les débutants, du moins. Allez, c'est bon, Itaras. On se sera bien amusé. Allez. Laissez-moi changer le titre juste vite fait. Tac. Voilà. C'est bon, on est parti. Merci pour les GG. Ce qui me déprime en fait, c'est que ce boss est vraiment nul pour le coup. Par contre, il nous a donné v'là les runes là. On en a eu 10 000. C'est beaucoup plus de runes que les deux premiers. À croire que. On était effectivement pas censé le faire maintenant. Alors en haut, il y a un forgeron dépéri. Voilà. Son petit caca. Très bien. Imaginez les premiers degrés qui vont arriver sur le chat, tu sais, là maintenant tout de suite. Bah attends, t'as first try le papillon du clair de lune, mais il pue la merde. Pourquoi tu le précises dans le titre? Attendez, attendez. Ça, ça dégage. Et voilà, je vais utiliser un petit os. Allez. Attendez, ça me fait perdre mes runes ou pas? Je pense pas. Si. Je pense que si. Attendez. Lisons la description du truc. Ah bah non. Non, non, ça fait pas perdre les runes. Non, non, j'ai dit de la merde. Mais je confonds avec un objet de Elden Ring encore. Bon, au pire. Au pire, on les récupérera, c'est pas grave. Bon, on aura buté le papillon du clair de lune. Waouh. Quel exploit. C'est incroyable. Allez, niveau supérieur. Pour monsieur Labio Fanzoni, qu'est-ce qu'on va monter comme connerie? Moi, je suis d'avis à monter l'endurance parce que contre les gargouilles, il va falloir courir, mes cons. Voilà, y'a quoi? Attendez. Peut-être pas mettre 4 en endurance, non? Attendez, Ouais, point équipé 28 sur 58, c'est ce qui me semblait. J'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Bon, écoutez. On va mettre 2 en endurance, c'est pas grave. Ah, attendez, mais... Ouah, toutes les âmes qui nous restent.
Ok. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va farmer un petit peu. De toute façon, le temps qu'on aille chez les gargouilles, à mon avis, le temps qu'on arrive aux gargouilles, on trouvera des trucs. On trouvera des mobs, très clairement. Je me rappelle notamment d'un mob qui nous tabasse de loin. Encore un qui joue magie, tiens. Ah. Une run à poil. Un jour. One day. J'ai entendu un mec marcher, hein. C'est normal. J'avais eu de remettre le deuxième run. Alors qui va là? Est-ce que je peux aller les tabasser sans qu'il me fasse chier lui? Je pense pas, hein. Ouais, là vraiment il faudra que je lui casse la gueule à l'autre. Mais le truc c'est qu'il y a d'autres ennemis dans mes souvenirs. Oh putain, alors toi. Toi. Tu l'emporteras pas au paradis, mon ami mignon. Allez, ça crève. Le petit coup de pied. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, on laisse taper. Allez. Il m'a défoncé la gueule. Il m'a éclaté la gueule. Ah oui, non, c'est bien les gargouilles. Je me rappelle que ce chemin là, je l'ai fait énormément de fois ce chemin. Je m'en rappelle bien. Effectivement. Il y a plein d'ennemis là, ouais. Ah, dis donc monsieur, vous avez beaucoup de dégâts. Laissez-moi deviner, vous avez été boosté par l'autre enfoiré à gauche. Hein? Ce qui vous a fait l'autre enfoiré, c'est de booster vos dégâts, c'est ça? Quelle perspicacité. Malheureusement, cette sagacité arrive un peu trop tard. Le soldat Seven est mort. En tout cas, j'ai pu tester, effectivement, et ça fait mal au cul, je vous le confirme. Ça fait mal au cul. Allez, on recommence. Ah, c'est comme ça, hein, c'est Dark Souls. C'est le mage qui les booste, ouais, sur la gauche. C'est bien ce qui me semblait. Malheureusement, je peux pas lui casser la gueule avant de m'être débarrassé des autres. On va jouer Poussy, on va les attirer. Loin de lui. Viens te battre. Un grand moment. Un grand moment de stream là. Ah. Un petit fragment d'italite, c'est toujours ça de prix. J'aime bien, j'aime bien. Ah, les petites runes. Oh, il m'a fait un surprise motherfucker. Allez, venez les gars. Venez me rejoindre, on va s'amuser vous et moi. Allez. Et d'un. Allez. Allez. Putain, en s'éloignant du magicien, ils ont toujours leur buff. Laissez-moi sortir, maman, à l'aide. Non mais là, non mais les gars, regardez-moi ces têtes de con là, regardez-moi ça. J'ai l'impression de gérer contre mon vis-à-vis en mid lane, et à l'enculé de support et de jungler qui viennent me gank. Qu'est-ce que je suis censé faire? S'il vous plaît. Monsieur l'arbitre. Là, je revois mes pires moments du mid là. Oh les dégâts du truc. Allez, c'est pas grave, on reteste. On reteste, allez. Voilà, je suis rien. Le mec, il en déborde pas. Il veut tous les buter, tu sais. On ne sait pas si c'est de la persévérance ou de l'insouciance. On ne sait pas.
De la folie peut-être. Mais une chose est sûre, il est têtu. Il est têtu. Allez. C'est où? Je dois aller où? Ah, c'est ici. Ah, ah d'accord. Descends. Je te jure, descends, descends si t'as des couilles. Descends. C'est bien ce que je pensais. Salope. Viendre ici. Viendre te battre avec moi. Ouais, ouais, allez, buffle, c'est bon. J'ai pas d'arc, j'ai pas de sort. C'est dommage. Je pourrais leur casser la gueule. Allez. Venez vous battre. Allez, on va les attirer loin d'ici. Non, non, j'ai pas envie de rush. J'ai envie de le buter, le mec à la magie, là. Fuir face à l'adversité ? Allons bon. Vous vous êtes trompé de stream. Moi, je casse des gueules, moi. Regardez-moi ce con, là. Allez, on va jouer avec le décor. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est pas possible d'être aussi con, là. Mais regardez-moi ça. Mais si c'est pas triste, mais qu'est-ce que... Bon les gars, faut faire un effort. Ouais, allez, tu es presque. Ouais, alors, je vais tester un truc, je pense que je vais mourir. Ok, le buff est fini. Le double kill. Le double kill. Bien joué. Bien joué. Allez. Allez. Allez, on va lui casser la gueule. On va aller lui casser sa gueule de joueur magicien là. Je teste. Oh, j'ai envie. Attendez les gars. Oh putain, ils sont trois. J'ai pas le chat. Je suis jamais tranquille dans cette vie de merde. J'ai des abonnés. Je peux vous en donner 10 si vous voulez. Je donne 10 abonnés à chacun. J'en ai 400 000. 10 à chacun si vous me foutez la paix. Ah, le forgeron il veut pas m'aider. Hein. Ah là, tu respectes. Je leur ai dit que j'allais vous donner à eux. Ils ont reculé direct. Ah, je serais vous, je le prendrais mal. Hein. Ah là, il y a émeute là. Là, il y a émeute. On est d'accord. Bien joué. Oh, il est en contre. Ok. Très bien. Au moins, on va pouvoir. Régène, puisque en régénérant, le mec qui a envoyé de la magie ne sera plus là. On joue stratégie, messieurs dames, on joue stratégie. Oui, c'est pas très gentil, effectivement. C'est pas très gentil. Ah oui, on a 5000 runes, mais... Écoutez, moi je serais d'avis à farmer encore un petit peu, parce que j'aimerais éviter d'utiliser mes âmes dès le début. On va prendre deux levels, et après on se fera les gargouilles. Voilà. Pour ainsi dire. Ouais, en fait, il faut que je monte à Dex, parce que il y a plein d'armes que je veux tester qui ont besoin de Dex. On va farmer jusqu'à... Il n'y a pas moyen de voir combien de runes il faut. Merde. 3678 runes, pardon. Tu préfères Elden Ring ou Dark Souls 1 ? Ah, j'aime pas trop donner ce genre d'avis quand je viens de finir un jeu, mais pour le moment, je pense que je préfère toujours Dark Souls. C'est des jeux différents, mais Elden Ring, moi je l'ai dit, hein, c'est mon jeu de l'année là. Je l'ai surkiffé. Mais je pense que je préfère Dark Souls.
Qu'est-ce qu'on est lourd. Qu'est-ce qu'on est lourd. Oh, body box. Vous avez vu? Au moment où il tire la flèche, mon personnage se baisse en mettant son cou. Même si je ne me suis pas protégé, la flèche est passée au-dessus. Le jeu n'a pas pris en compte que je m'étais fait toucher. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est très bien ça. Ça c'est très très bien. Allez, viens te battre. Oula. Bon, je l'ai one shot, c'est cool. 3678 âmes. Bien joué. Oh les dégâts. À mon avis, on va utiliser des âmes là. On farm lentement quoi. Écoutez, je fais une dernière session là. Ah mais y'a un mec là, attends non. Pas un mec qui m'attendait là? Non, je suis arrivé. Mais si, j'entends des bruits de pas. Elden Ring est l'un des moins bons Souls, mais reste un bon jeu. Voilà, c'est dit. Ah bon? Ah, j'ai pas fait tous les Souls, mais tu m'as l'air un peu dur. Descendez, 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 descendez. Je vous marave la gueule. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, et le backstab c'est pour les chiens du coup. D'accord. D'accord. Horrible quand tu te soignes dans ce jeu. J'ai l'impression que c'est très lent, ouais. Quand tu passes d'Elden Ring à ça, c'est un peu compliqué, ouais. Oh, hé, hey, esquive. Bon, vous êtes chiant. Vous êtes chiant, je vous le dis, vous êtes chiant. Ta carte Pokémon, donne-la-moi. Je te raquette. Ah, j'ai mal. Et oui, Jamy. Quand tu touches du feu, ça fait mal. C'est normal. À bout de ton pitch. Ça dépend. Si c'est un pitch pépite de chocolat, je dis oui, mais un pitch framboise, ça va se faire foutre. Y a pas le dragon, c'est bon. Très bien. Ah. Bonjour, messieurs. Quoique le framboise en vrai est pas dégueu. C'est peut-être celui que j'aime le moins, mais il est pas dégueu. Oh, niveau backstab, on est moins souple que sur Elden Ring, dites-moi là. Je galère à faire des backstabs. Hein. Ah, c'est compliqué. Donne-moi ton goûter. Donne-moi tes pog. Tiens, je vais les ressusciter. Et normalement, on va pouvoir monter le level très bientôt. Ah ouais, backstab, c'est compliqué, hein. Effectivement. C'est... File-moi tes choco-BN. Ah, les choco-BN. Je vais monter quoi? L'endurance ou la force? Ah, l'endurance.
endurance, c'est quand même une stat. C'est tellement important, mec. D'autant que là, je mets deux coups, je peux rien faire, quoi. 1, 2, 3. Et les gros coups, je peux en mettre 2. Enfin, tu me diras, quand on les gargouille, je pense qu'on mettra un ou deux coups, pas plus. Hein. Ouais. À mon avis, on va leur casser la gueule. C'est pas grave. On va tout leur mettre. Allez, testons les gargouilles, le fameux moment. Clairement, je vous le dis, les gars, n'espérez pas qu'on les fasse sur ce live. À aucun moment, on va réussir à les faire sur ce live. Ce boss, j'ai dû passer, je crois, un après-midi entier. Là, clairement, on est au premier boss vraiment, vraiment, vraiment chaud du jeu. Les gargouilles. Est-ce que je peux run comme un gros porc en les ignorant? Je vais me faire prendre son sandwich. Allez, on monte. Et merde, il y avait un truc. Ça va là, on est fine? Est-ce qu'il monte les échelles dans ce jeu? Je sais plus. Oh putain. Oh putain. Il monte les échelles. Allez, les gargouilles. Allez, les gargouilles. Oh putain, le premier moment vraiment, vraiment douloureux, analement parlant, si je puis dire, de ce jeu. Et j'utiliserai les résines si c'est trop dur. Ah, ça me trigger. Rien que de revoir cette cinématique, ça me trigger. Ah, mais ce chara-design, mec, quand même. Allez, c'est parti. On esquive. On tape. On esquive. Oh les dégâts, mec. Oh le... Oh putain, il m'a mis un coup de queue. Ok, il y a la deuxième, il y a la connasse. On n'est pas rendu. On n'est pas rendu. On est parti pour 2-3 heures de live là. Et dites-vous que c'est que le second boss. Le plus pire, oui. Le plus pire du jeu. Il y a pire que ça. Il y a un boss pire que ça. Oui, 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 messieurs, dames. Et putain d'Anstein et Smog. Alors pour ceux qui connaissent pas Dark Souls, si vous me voyez recommencer 10 fois le même boss, c'est normal. Je dis ça parce que visiblement sur Malenia, il y en avait qui comprenaient pas. Je comprends pas, il a recommencé Malenia 20 fois là. Eh ben oui, Jean-Bertrand, c'est normal. Par contre, je vais enregistrer à ce feu là. Clairement, ça sera plus worse. Après, on leur met des tatanes aux gargouilles. Ah, calme-toi. Là, analement parlant, on est vraiment sur un boss de type compliqué, quoi. Après, il y a une technique. On pourrait retourner à l'icheveu déjà pour avoir 10 popos. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on mange une résine. Et on casse la gueule de la première gargouille. On la rush. Comme ça, la deuxième, on peut se la faire facilement. On va voir. On va tester différents trucs. Mais là, on est parti pour une bonne demi-heure de live, là. Je pense même pas qu'on les finira sur ce live, les gargouilles. La résine de pain doré. Est-ce,
Est-ce que tu penses one shot 4 rois? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Allez, cours. Voilà. Mais. Pardon? Monsieur l'arbitre, Lia vient de me backstab. Lia vient de me backstab! Est-ce que c'est légal, monsieur l'arbitre? Je viens de me faire backstab. L'IA a appris, exactement. Skynet se développe. Allez, on est parti. C'est parti. Ah, d'accord. Oh, waouh. Je me soigne devant toi, je m'en bats les couilles. On esquive, bien joué. Au secours. Je peux pas te casser le cul là? Je crois qu'il y a un objet qui descend quand je te casse le cul. Oh non, pas le feu. Pas le feu de la mort. Comment tu abordes ça, monsieur? Comment vous abordez ça? Oh putain, je... Mais attendez... J'ai le droit de respirer aussi? Ah, oh, je suis trop bas pour eux, elles peuvent pas me toucher. C'était prévu. C'est prévu, les gars, vous inquiétez pas. Allez, on court. Non, il faut que tu sors d'ici, Fabio, sinon on est mort. On est mort. Le pire boss. C'est le pire boss. On est parti pour une demi-heure là. Oh putain. C'est un enfer. Ce boss, c'est un enfer. Ah, je me rappelle, sérieux, à l'époque, j'ai passé au moins un après-midi dessus. Si on la bute en moins de 10 tries, c'est un miracle. Vraiment. Après, on met des dégâts de fou furieux. Ouais, ouais, c'est normal qu'il spamme le feu, ouais. Ouais, ouais. Il joue magie. Encore des mecs qui jouent magie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut tout pour faire un monde. Il faut tout pour faire un monde. C'est des dracs au feu. Allez, viens. Cette fois, tu vas pas me backstab, j'espère. Allez, viens. Vas-y, tape. D'accord. On prend un coup, c'est pas grave. Est-ce que si je cours sans m'arrêter, je prends rien? Bon. J'ai pris un petit coup, c'est pas grave. Ils sont en train de se taper là? Sont cons. Allez. Allez les gars, on peut le faire. Pas le feu là. Ah, c'est bon. Oh, dommage. Encore un coup, elle mourrait. Dommage.
Gérard à la caméra, hein, d'ailleurs, n'oublie pas. Ouais, je sais que je peux couper sa queue, mais j'arrive pas à... J'arrive pas à le faire, mais je sais qu'on peut lui couper la queue, ouais. C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure quand je voulais lui... Quand je disais que je voulais lui casser le cul. Allez, on va y arriver. Il y a peut-être moyen qu'on y arrive sur ce live, finalement. En vrai, il y a moyen. Après, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à la sonner. On arrive à la stun. On n'a pas assez d'endurance pour enchaîner deux stuns d'affilée. Ça, c'est dommage, on était à deux doigts de la buter. Alors, dans mes souvenirs, j'ai beaucoup plus galéré que ça. C'est déjà ça. Bon, lui met, v'là les patates. Ouais, ouais, je sais que ça donne juste une hache, mais bon, c'est pour la collectionnite, on va dire. Ah, ça me touche. Ça me touche. Allez. En plus, avec une résine de pain doré, on lui casse la gueule, mais... Mais d'une force, mais vas-y. Teste ton sang. Ah, mais enfin, mais... J'ai le droit de respirer. Il s'est pas soigné ce con. Oh non, c'est quoi ces esquives tapées? Oh. C'est une horreur ce boss. Ce boss est une horreur. Ah ouais, baisez-vous, ouais. Baisez-vous sur mon cadavre. Ouais, je comprends. Vous avez raison. Faites ça, faites donc ça. Ouais, le feu, c'est le pire, on est d'accord. Bon, après, on lui met v'là les patates, encore une fois. Puis c'est pas comme sur Elden Ring, hein. Tu refais tout le chemin. Là, tu refais tout le chemin. Après bon, moi je vous avoue je m'en bats les couilles de mourir, puisque je pars du principe qu'on va mourir 30 fois là contre les gargouilles. C'est un petit peu compliqué. Du sexe sur mon corps, exactement. Ah. Ah, dommage. C'est dingue ça, hein. On n'est pas tranquille. On n'est jamais tranquille. On va y arriver, faut rien lâcher. Ah, bonjour. On m'invite pas à prendre un verre avant ou... Non, je peux enculer. On a déjà une popo en moins, c'est bien ça. Allez, allons-y. Allons-y gaiement, c'est parti. Ah mais mec, j'ai roulé. Ah là, j'ai pas roulé, c'est my bad.
Bon, à nous deux. Le feu. Allez, ça dégage. T'as tué nos parents. On va te tabasser. C'est bon, vous en aurez d'autres. Allez, c'est bon. Allez. On a 4 trails, non? Attendez, mais c'est fou, là. En vrai, on a 4 trails ou 5 trails, les garouilles. Putain, mais je les avais fait en 20 fois, genre, à l'époque. Allez. J'enchaîne, je m'en bats les couilles. Merci pour les GG, merci beaucoup. Ouais, mais t'as utilisé l'éclipse lunaire. Alors là, il y a un PNJ dans mes souvenirs. Il est en haut ou il est sur les étages? Ok. Bon, on a buté les gargouilles, c'est cool. Il y a un PNJ qui te fait je sais plus quoi ici. C'est moi le first try tous les boss. Ouais. Tiens, bah d'ailleurs, attendez. Faites bien d'y penser. Vous m'y faites penser. Voilà. Je vais changer le titre. J'ai first try. Parfait. Allez, on est reparti. À un grand moment là. Moment culte. Moment culte. Écoutez, en vrai, plutôt fier de moi. Je pensais sincèrement qu'on allait pas buter les gargouilles sur ce live. Donc on s'arrête sur une bonne note. Écoutez. Puisque oui, moi je vais m'arrêter là. C'est parfait, là. 4 heures de live, on est à la cloche, c'est parfait. Je vais m'arrêter là, moi. Et je vais vous dire à après-demain, vendredi 16h. C'était bien marrant, en tout cas. On était beaucoup. On attend maintenant la run avec une banane comme manette. Non, s'il vous plaît. Ne dites rien. Ouais, moi je recoule beaucoup, ouais. Ouais. J'ai une tchatche comme pas possible. Non, pas Tetris 99. Non, les gars. Non, je vais vous dire après-demain, en vrai. Et puis, même heure, hein, à 16h, on continuera l'aventure. Si je ne m'abuse, le prochain boss, c'est le démon Capra. Je pense qu'on va en chier aussi, là. Et puis, je vais vous faire des bisous.